Je vous remercie d'être présent. Donc, ce soir, nous avons pas mal d'absents pour des raisons de maladie ou de salon d'agriculture pour certains. En ce qui concerne les extraordinaires. Il nous faut désigner en premier un secrétaire de séance. Je vous propose le Charles Leboeuf, le secrétaire, qui le fait très bien. Est-ce qu'il y a des candidats, des oppositions, des abstentions d'exprimer? D'accord. Avant de commencer le conseil municipal, il y a un moment de nos marins disparus par rapport au naufrage que nous avons vécu la semaine dernière. Je vais vous demander donc d'observer une minute de silence. Je vais vous faire circuler la feuille de présence pour ce conseil municipal et en même temps la feuille de registre des délibérations donc, du dernier conseil donc, au 30 janvier 2018. Alors, je vais commencer par vous avez donc pour les informations que je dois communiquer en début de conseil municipal la convention que nous avons signée dans le cadre de l'UGAP. C'est la seule chose qui s'est passée depuis le dernier conseil. Et nous allons attaquer l'ordre du jour avec ces 15 délibérations. Et la première délibération que je vous propose, c'est l'approbation du dernier conseil municipal en séance du 30 janvier. Donc, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des dépôts? Des abstentions? Non, dépôt. Je vous remercie. Il vous est proposé ensuite de désigner dans le cadre de la création du comité de suivi scientifique relatif au projet d'aménagement du port de la Cotinière, un représentant de la commune de Saint-Pierre. Cette délibération, pour ceux qui sont en conseil communautaire, a déjà été présentée pour la partie comité de communes, puisqu'il y a plusieurs référents qui siègent au sein de ce comité de suivi scientifique. Il vous est proposé ce soir de nommer Éric Guilbert comme représentant de la commune par rapport à cette délégation et à la connaissance bien sûr du corps de la Cotinière. S'il y a des candidats qui se mettront, bien sûr cela à votre vote. S'il n'y a pas d'autres candidats, demandez de savoir si vous êtes contre. Attention, tout le monde. Éric, je vous remercie. La délibération qui suit, c'est concernant toujours la communauté de communes, donc la charte éco-mobilité qui doit être signée entre les communes et la CDC. Peut-être qu'il est utile de rappeler que la CDC est titulaire et lauréate du projet de TEPOS, le projet de territoire énergie positive. Il y a eu déjà plusieurs démarches qui ont été entreprises et cette charte donc, définit les engagements que la commune doit avoir
bien sûr dans le temps et par rapport aux agents et par rapport aux actions que nous pouvons porter. Cette délibération, elle est logique. Et en temps, il nous est proposé donc, de définir les choses suivantes. En dehors d'un référent mobilité au sein de la commune, de relayer les communications des communes sur la mobilité, de partager ses retours d'expérience avec la CDC et les autres communes de choisir et de mettre en place trois actions, je dirais même trois actions au minimum, d'accompagner et conseiller la collectivité dans le choix de ses mises en œuvre, de communiquer sur le retour d'expérience et de mettre à disposition les moyens de communication valorisant l'engagement de la collectivité. Je rappelle que la commune de Saint-Pierre a eu le bonheur l'année dernière d'être primée dans la démarche d'éco-mobilité en termes de collectivité par rapport à son nombre d'agents et d'entreprises. Ça, c'était une des actions. Je dirais que c'est assez logique. J'ai demandé récemment au niveau du service de la CDC l'octroi de électrifier pour que l'on puisse, par exemple, sur le plan de la pétinière, avoir des éléments de circulation plus rapide ou au niveau des services entre les différents ateliers ou centres d'activité de la commune. Mais bon, ça doit venir. On a une démarche qui est engagée en ce sens. Donc, je pense que là-dessus, pas de remarques particulières. On est tous d'accord. Je vous propose de désigner Sylvie Frugier comme élu référent pour porter ce projet, et d'autres candidats, et de l'autoriser à signer donc l'ensemble des documents pour cette charte d'engagement entre la commune et la commune de Saint-Pierre. S'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, tout le monde Sylvie fait partie du Grand Sud, vous remercie. Donc, la modification des statuts de la communauté de communes. Alors, une délibération de plus. Alors, cette fois-ci, c'est toujours pour se mettre en conformité par rapport au 1er janvier de cette année, et en particulier sur l'identification des actions portées à l'exercice de la compétence GEMAPI. Alors, je pense que vous avez lu avec attention. Il est défini en particulier les défenses contre les inondations, et puis, bien sûr, la gestion de la partie des marées. Actuellement, avec les services, nous travaillons déjà, pour, en particulier avec le concours de l'ENIMA, pour identifier tous les diagnostics. La commune de Saint-Pierre est engagée avec la commune de Saint-Georges dans un syndicat intercommunal, Marais la Pérotine. Et nous avions donc des actions qui étaient portées depuis plusieurs années, qui étaient faites avec, m'a-t-on dit, intelligence, respect des budgets et du fonctionnement. Ça nous a permis d'agir en particulier sur la gestion donc, des marées donc, de Doussin et des marées salées, et en même temps de préservation des résurgences de Douce. Et aussi, nous travaillons donc conjointement pour l'installation en particulier d'activités liées à la saliculture ou d'autres activités que l'on pourra envisager vers les marées, sachant qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont encore en activité post-école, mais d'autres qui restent disponibles. Et on a en particulier pour Saint-Pierre-de-Léron, toute la partie est de la commune qui est concernée par le début du chenal de la Pérotine et ces marais qui servent un petit peu de zone tampon en cas de submersion en particulier et d'amortissement par rapport aux événements que nous avons pu connaître. Alors dans ces délibérations pour la modification des statuts de la CDC et de sa compétence, donc GEMAPI, je peux peut-être vous porter la précision que nous, au conseil communautaire, nous avons pris cette délibération aussi et voter donc une base sur laquelle la taxe GEMAPI sera appliquée. Pour vous faire une rapide présentation, et pour pas que l'on soit troublé, puisque la taxe GEMAPI aujourd'hui, quelques élus nationaux, voire même locaux, se trompent un tout petit peu, ce n'est pas une taxe qui s'applique à la personne, mais qui s'applique au foyer. Et en fait, dans le calcul qui est prévu de la taxe GEMAPI, on prend un budget prévisionnel, voilà, sur lequel on affiche des orientations de dépenses dans le cadre de PAPI. Donc là, ce sont des dépenses d'investissement. On a des dépenses, bien sûr, de fonctionnement par rapport aux personnes, aux agents qui sont concernés. À ceci, donc, on fait un total dépenses. Nous faisons, bien sûr, de la part de la CDC, une part d'emprunt pour pouvoir compenser ces besoins. Et on détermine le reste à financer, qui donne un montant pour la commune, pour la communauté de communes, donc de 21,69 € exactement. Et ça, c'est la base à taxer. Là-dessus, sur cette base, on est réparti sur les quatre taxes budget, les habitations, la foncier normative, le bâti, et puis donc, le CFE. Et ensuite, le service des impôts,
donc répartit ce produit sur l'ensemble de ses taxes en fonction des foyers. Voilà ce que je pourrais dire sur la taxe Gemapi. Elle sera donc pour tous les foyers en dehors de toutes les considérations d'exonération de taxes d'habitation qu'on parlera tout à l'heure dans le vidéo. Ce que je pourrais vous dire, bon, puis, enfin, d'observations peut-être particulières ou de remarques. Si c'est le cas, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Donc, nous allons arriver au débat d'orientation budgétaire. Après la petite mise au point technique, on va allumer notre projecteur. Alors, nous allons innover ce soir, si vous nous permettez, pour vous faire, en dehors de la lecture, qui n'est pas forcément très intéressante, mais quand même, malgré tout, je dois faire, de ce débat d'orientation budgétaire, vous permettre d'avoir des appuis visuels. Sur les éléments que nous allons donc vous présenter, les documents qui sont à votre approbation. Je vais avoir changé. Bien. Alors, donc la loi donc, du 6 février 92 prévoit, donc, dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget des communes, la tenue en conseil municipal d'un débat d'orientation budgétaire. Donc là, ça a été complété par la loi NOTRe, donc du 7 août 2015, qui précise que le contenu d'un rapport doit être défini sur ses orientations budgétaires, dont les hypothèses de prévision sont étayées en matière fiscale, de tarification, de subvention, sur les relations financières avec les groupements de rattachement. Des engagements, bien sûr, pluriannuels, envisagés basés sur les prévisions des dépenses et des recettes en matière d'autorisation du programme. Les informations de la structure sur la gestion de l'encours de la dette et le profil visé de l'encours pour la fin de l'exercice. Ce présent document donc, présentera successivement le contexte, ça c'est très habituel, économique sur le plan international, européen et national. Le projet de loi de finances 2017 et ses incidences pour les collectivités locales. Donc, ce n'est pas le projet de loi de finances 2017, mais c'est 2018, donc excusez l'erreur de lecture. Les orientations budgétaires pour l'année donc 2018. Donc, le conseil municipal donc, doit en prendre acte. On a déjà eu ce débat sur ce débat d'orientation budgétaire et il vous sera demandé de délibérer, non pas pour voter le DOB, mais pour voter le fait qu'on vous a bien présenté le DOB et les documents donc afférents. Mais bon, on avait, pour ceux qui sont là ce soir et qui ne connaissaient pas l'astuce, eu la mauvaise surprise d'un retour de sous-préfecture qui ont redélibéré sur une année précédente, puisque nous avions délibéré comme d'habitude. Enfin, on n'avait pas délibéré, mais il fallait voter le DOB. On a suivi. Ça concerne maintenant les communes de plus de 3500 habitants. Alors, pour le contexte macroéconomique, je vais essayer de faire une lecture assez rapide. Mais en 2017, la France donc, affiche donc, pour la première fois depuis 10 ans un déficit public inférieur donc, au seuil de 3% du PIB. Mais ça n'empêche pas que, même si on est dans une joie bien sûr très limitée, que ça nous laisse dire que la France reste quand même l'avant-dernière de la zone euro sur cette évolution, juste avant l'Espagne. Ce déficit public de 2,8% reste quand même une gêne pour la France et pour ses projets, mais on en tient compte puisque nous avons quand même un PIB positif. Une inflation à 1,2%, elle devrait donc, d'après la Banque Centrale Européenne, être donc sur cette prévision en 2018. L'année 2018 marque le retour de la confiance, si on écoute non pas que les médias, mais les techniciens en ce qui concerne les finances donc, internationales. L'investissement tricolore donc, s'est installé dans une dynamique robuste, donc, tout comme dans la zone euro. La croissance française donc, devrait progresser à 1,9% en 2017, au plus haut point depuis 2011. Ce sursaut de croissance demeure quand même un peu inférieur à la zone euro qui affiche donc, un taux donc, de 2,8. Selon l'indice PMI, l'industrie manufacturière enregistre sa plus forte croissance depuis près de 17 ans, avec un léger frémissement sur le marché de l'emploi. Et selon l'INSEE, le taux de chômage s'inscrit à 9,4% contre 10% un an précédemment. Alors, pour autant, les attentes sont fortes, mais il faut faire attention pour qu'on ne soit pas trop désagréablement surpris pour l'année 2018.
N'empêche que nous, ça nous permet de rester dans le projet de loi de finances 2018 tel que je vais vous le présenter. Alors, le dispositif réglementaire, les dispositions financières relatives aux collectivités locales figurent donc dans trois textes. La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, donc de 2018 à 2022, et puis les traditionnelles, donc loi de finances 2018 et la rectificative de 2017 qui est toujours en cours. La programmation pluriannuelle des finances publiques prévoit un solde public français, toute administration confondue, de moins 0,3% du PIB à l'horizon 2022. Cette trajectoire de résorption du déficit français s'imposera aux administrations donc publiques locales. Trois objectifs. Le premier, c'est le désendettement. Alors, pour les collectivités que nous sommes, l'incidence, c'est 16 milliards donc, d'euros d'économies donc, que l'on doit supporter sur cette programmation de 2018 à 2022. Et selon la loi de programmation, les collectivités sont censées ne plus emprunter. Alors, bon, ça me laisse sourire parce que on a quand même la baisse des dotations, on en parle chaque année, avec toutes les conséquences que nous connaissons. On a des orientations aujourd'hui qui sont fixes, et je vais présenter tout à l'heure dans le cadre du DOB par rapport à la maîtrise, bien sûr, des dépenses, des masses salariales, des carrières des agents, avec toutes les complications que cela peut apporter pour leur carrière. On ne doit pas emprunter, on ne doit pas avoir de recettes, on nous fige nos taxes donc les unes après les autres. Je ne sais pas si c'est la disparition des communes qui s'annonce, mais je ne sais pas si on fera la manche un jour, mais je vous pose des questions sur la capacité que nous aurons à avoir un jour des recettes. L'objectif 2, c'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc ça me paraît logique, et c'est plutôt un bien pour un mal, puisqu'il le fixe à plus 1,2% par an moyen. Alors, inflation comprise, ceci s'impose pour les 300 plus grandes collectivités, régions, départements, communes et EPCI. On n'est pas concerné, hein, on n'est qu'une petite commune de 6901 habitants recensés INSEE. Mais bon, pour revenir du département hier, nous sommes au-dessus des 5000 habitants, et forcément, commune que nous sommes, entre 5 et 10 000, on est dans les pleines pénalités. Et bon, heureusement que le département nous suit sur beaucoup de projets, puisque sinon, on aurait beaucoup de difficultés à porter nos projets. L'objectif 3 donc, de ce plan de finances 2018, c'est un plafond de capacité de désendettement, d'être apporté à l'épargne brute. Et la nouveauté, c'est qu'il fixe les années, c'est-à-dire 12 ans pour les communes, 10 ans pour les départements et 9 ans pour les régions et les collectivités uniques. Alors, en ce qui concerne les concours donc, de l'État aux collectivités locales, on peut quand même considérer que la somme de 104,8 milliards d'euros est importante, qui s'étalera autour de trois blocs. Bien sûr, en premier, la DGF, les dotations de décentralisation, les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et compensation d'exonération fiscale. Donc ce bloc 1 représente 48 milliards d'euros. Le bloc 2, donc, c'est les dégrèvements fiscaux, les amendes de police et subventions des ministères pour un bloc de 18 milliards d'euros, enfin presque 19. Et puis le bloc 3, c'est les fiscalités transférées, les droits de mutation pour un bloc de 38 milliards d'euros pratiquement. Les concours d'investissement, alors cela concerne les dotations de soutien à l'investissement local, c'est un élément important dans la loi donc, de finances, article 157. Institué par le projet de loi de finances 2016, la loi de finances 2018 pérennise donc cet effort à hauteur de 615 millions d'euros. C'est quand même important et je pense que dans l'avenir ça devra évoluer puisqu'on le disait à chaque débat d'orientation budgétaire que les baisses de dotation que nous subissions posaient des problèmes sur notre capacité à investir ou sur une démarche nouvelle, en particulier les collectivités, à porter les investissements en ayant des étalements dans le temps ou d'attente de subventions ou autres. Et c'était un vrai frein pour l'économie nationale puisque les collectivités portent quand même 70%, en particulier les communes, 70% des investissements envers donc, les entreprises. Et si demain on n'investissait plus, et ça veut dire que derrière on aurait des communes qui seraient presque en friche, c'est autant d'entreprises qui seraient en difficulté, et je ne parle pas bien sûr à l'échelon national. Les dotations d'équipement des territoires ruraux, ça existe encore, et la commune de Saint-Pierre est plutôt bien servie, je dois dire, par les efforts que nous portons par les services municipaux auprès des services de la préfecture, et nous sommes plutôt bien entendus. Au niveau national, c'est 1 milliard d'euros en 2018, répartis donc entre départements, en fonction des critères de population et de densité et des niveaux de ressources.
La loi de finances 2018 précise que le seuil de subvention imposant un avis de commission est abaissé à 100 000 euros, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque c'était 150 000 euros. L'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la TVA, alors ça c'est un effort considérable qui avait été demandé dans le cadre de l'Association des maires de France, puisqu'on avait un système qui était plutôt coûteux, voire même peu réaliste et un peu obsolète, et qui compliquait grandement les efforts portés par certaines communes avec un retour de FCTVA décalé sur 2 ans. Donc la loi de finances dans le programme dès 2019 un versement automatique donc, du fonds sur la base des données comptables enregistrées dans l'Elios et dans le logiciel. A noter quand même que les investissements que nous porterons en 2018 seront soumis quand même à ces règles de FCTVA pour le système précédent jusqu'en 2020. Nous, on ne parlera que des investissements 2019 après. Alors les mesures ciblées, donc au titre des mesures ciblées, bien, noter la revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés, enfin, pour la commune de Saint-Pierre, ça n'a pas beaucoup d'incidence, on n'est pas vraiment aidé. Mais bon, je dois quand même vous dire que le fonds de péréquation intercommunale et communale existe, donc ça c'est partie des surprises. Il est maintenu à hauteur d'un milliard d'euros. La nouveauté consiste à dire que dans le caractère définitif sera précisé donc, dans cette disposition à partir, comme c'est dit dans le projet de loi de finances, à compter de 2018, alors qu'avant c'était d'une année sur l'autre. Nous en parlerons, ça a des conséquences pour la commune de Saint-Pierre, bien sûr pour la communauté de communes. Alors les mesures relatives à la fiscalité, donc là ça nous concerne tous, on est un peu plus sensible. Donc c'est bien sûr la mesure phare du projet donc, du mandat du président Macron, qui est donc le dégrèvement de 80% des contribuables assujettis à la taxe d'habitation, qui ouvrira donc la voie à la suppression complète de cette taxe à partir de l'année 2020. Bon, à ce stade, la loi s'en tient au seul dégrèvement sur 3 ans, donc 30% en 2018, 65% en 2019, et bien sûr 100% de cette taxe d'habitation en 2020. Je dois préciser que ces cotisations de taxe d'habitation des contribuables dont les revenus sont inférieurs à 27 000 euros pour une personne seule et 43 000 euros pour un couple majoré de 6 000 euros par demi-part supplémentaire. Alors le dégrèvement 2018-2019 sera transparent puisque l'État se substitue purement et simplement aux contribuables pour acquitter la cotisation de la taxe d'habitation et les collectivités sont donc assurées de percevoir la croissance du produit résultant de l'évolution des bases taxables. Donc c'est-à-dire la construction de logements, la revalorisation annuelle des bases fondées sur l'inflation N-1, ainsi que sur la hausse des taux ou suppression d'abattements appliqués pour les années 2018-2019. Ils refusent de prendre en charge donc, les hausses de pression fiscale décidées par les collectivités. Celles-ci seront répercutées sur les contribuables. Le dégrèvement sera opéré au taux d'imposition et avec les abattements en vigueur en 2017. C'est important de le souligner. Donc en conclusion, un dégrèvement de taxe d'habitation neutre pour les collectivités en 2018-2019, mais de fortes inconnues à partir de 2020, comme toujours. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est un petit peu le cas de la dotation globale de fonctionnement. L'État a de belles paroles, dans les faits, après il révise ses fonds de péréquation ou ses aides de dotation de compensation, et à terme, c'est un peu comme la DGF, les communes ne seront plus souveraines, et d'ailleurs ça remet en cause la constitutionnalité des collectivités et des communes que nous sommes, puisque nous avons le droit d'être autonomes financièrement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous attaquons donc les orientations budgétaires pour 2018, pour le budget donc principal de la commune. Il vous est présenté à l'occasion de ce DOB une première esquisse pour 2018 d'un budget de fonctionnement d'environ 10 326 000 euros. Et des dépenses d'investissement en hauteur donc de 8 489 000 euros. Ça sera voté le 20 mars prochain à l'issue donc de l'adoption préalable du compte administratif de l'exercice écoulé. Ce document budgétaire se caractérise en particulier par l'affectation des résultats de clôture de 2017 à hauteur de 851 435 euros et 37 centimes en investissement. Il y a un excédent de financement de 856 020 euros et 05 centimes. La stabilité des contributions de l'État pour l'année 2018, d'une part, et d'autre part, les économies substantielles réalisées cette année sur le marché des photocopieurs en particulier, on peut dire le montant, 70 000 euros d'économies par an, le marché des assurances, 55 000 euros d'économies par an, et la perte de la délégation de compétences en matière de transport scolaire,
et aussi les conséquences donc à prévoir du retour à la semaine de 4 jours, donc 65 000 euros par an, permettent cette année d'équilibrer le budget et de transférer en section d'investissement 200 000 euros pour financer des nouveaux projets. Toutefois, il conviendra de poursuivre en 2018 les différentes dispositions déjà mises en place, à savoir la poursuite de la recherche d'économies dans nos dépenses de fonctionnement, qui devront encore être plus drastiques, sous peine de ne plus avoir d'excédent en fin d'année, et à terme, de constater un déficit sur la section de fonctionnement. L'amélioration de nos bases d'imposition, et donc de notre principale recette, hein, c'est le seul levier que nous avons aujourd'hui, vérification du classement des locaux en catégories 6 et 7, en cours des services municipaux, donc ça je tenais à les remercier, sans augmentation des taux en 2018, je tiens aussi à le préciser, c'est quand même un acte politique majeur que nous assumons, de ne pas toucher au taux de la taxe d'habitation. Beaucoup de collectivités ont essayé de jouer de ce registre avant l'arrivée du projet de la loi Macron, et nous avons souhaité ne pas le faire. Maintien donc d'un niveau d'investissement raisonnable, recherche d'un autofinancement net maximum, et consolidation bien sûr de la structure financière de la ville. En matière de recettes de fonctionnement, en 2013, et avant la mise en place par l'État de la participation des communes au redressement des finances publiques, la part de la dotation de l'État représentait 25% des ressources de notre commune. Alors vous avez derrière moi une présentation qui est assez significative. Donc ça va, ouais. Les impôts locaux, quant à eux, représentaient 62% de ressources. Et cette année, du fait de la baisse successive du concours donc, de l'État, la DGF ne représente plus que 18% de nos recettes communales. Cette situation traduit un réel engagement de l'État pour en mettre en péril la qualité des services publics locaux. Et là, vous avez donc sur le mur l'évolution, en particulier les recettes que la commune avait de l'année 2013, on a pris jusqu'à ce jour. On a noté que c'était 1 700 000 euros, mais on n'est plus qu'à 1 190 000 euros. Et vous regarderez aussi que la dotation de solidarité urbaine va diminuer, d'ailleurs elle va diminuer complètement puisqu'elle va disparaître. La dotation nationale de péréquation diminue aussi. Et si on fait la différence entre ce qu'on aurait pu supposer avoir et ce que l'on a aujourd'hui, cela fait un manque de dotation globale de fonctionnement de presque 1 800 000 euros pour la commune de Saint-Pierre-d'Olonne, cumulé bien sûr sur les 6 années précédentes. Vous avez un tableau, si c'est possible, monsieur Lalambois, qui met un camembert avec les recettes de fonctionnement, si vous voilà, revenez dessus. Merci. Avec donc, les différentes répartitions par pourcentage donc, des produits. Vous voyez quels sont les apports de l'État et puis donc les ressources de la commune, donc bien sûr en ce qui concerne les impôts et taxes, et puis donc tous les autres produits. Et puis les atténuations de charges qui sont donc aussi à considérer. En ce qui concerne la DGF, l'enveloppe nationale de la dotation globale de fonctionnement, qui a quand même baissé de 2013 à 2017, reste stable cette année pour 2018 par rapport à 2017. Cependant, la DGF du bloc communal doit absorber la totalité de l'effort de péréquation verticale, donc ça met encore 180 millions d'euros, au titre de la dotation de la DSU. Il est toutefois souligné que le président Macron s'est engagé à stabiliser la DGF à son niveau de 2017, ce qui avait été une promesse à l'occasion toujours de la rencontre avec les maires donc à Paris. Vu au niveau de notre commune, un écrêtement estimé à 7 000 euros lié à cette péréquation, et depuis 2017, la commune n'est plus éligible à la DSU, avec une sortie progressive à prévoir avant 2019 sur 3 ans. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, vous avez donc là derrière moi le tableau et vous avez donc les différents éléments que je vais plus détailler qui sont les dépenses de caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits, les charges financières, les opérations d'ordre de transfert et puis les charges donc, exceptionnelles. Vous remarquez que pour la première fois depuis très longtemps, les charges personnelles sont en dessous des 50% pour la commune de Saint-Pierre, ce qui était demandé depuis très longtemps et on y arrive tout doucement mais sûrement. Les charges personnelles, donc les hypothèses retenues pour 2018 pour établir un montant de ce chapitre sont les suivantes. On tient compte de la hausse de la CSG, plus 1,7%, partiellement compensée par l'État, ce qui traduit un impact de 36 000 euros par an.
un avancement de grade et d'échelon donc en promotion interne, donc ça c'est le suivi habituel de carrière des agents, et on sera à leur côté. Un amendement du régime indemnitaire donc dans le cadre de la mise en place du RICSEP, donc avec la part variable que je vous avais présentée dans mon précédent conseil, à hauteur donc de 40 000 euros. La réorganisation des services municipaux du secteur enfance et jeunesse dans le cadre de la mise en place de la semaine des 4 jours, et aussi une fermeture d'une classe, en particulier à l'école maternelle. Et puis on continue toujours notre attention particulière sur le non-remplacement des départs à la retraite, quand cela est possible, sauf quand c'est des postes qui sont des postes clés où nous avons des besoins pour les communes. Réalisé pour un montant de 4 339 769 euros en 2017, les charges personnelles sont prévues à hauteur donc de ce budget primitif de 4 532 758, soit un petit peu moins que ce qu'on avait prévu au BP précédemment, mais malgré tout ce que je viens de vous dire. Il est à souligner la trajectoire de la baisse depuis 2014 du tableau des effectifs, que vous avez derrière moi en présentation, qui était de 161 agents inscrits et effectifs pourvus. Donc en 2014, et la commune donc affiche au 1er janvier 2018 un effectif de 150 agents, soit une baisse de presque 7% des effectifs de 2014 à 2018. Donc j'en profite quand même pour rappeler que depuis le début du mandat, 2014, j'avais souhaité une réflexion en ce sens, donc du contrôle de nos effectifs, avec une lecture donc de notre carrière de nos agents, avec donc l'échelle des âges et les départs à la retraite, pour justement créer une meilleure utilisation et permettre à la collectivité donc de maîtriser sa masse salariale, et aussi dégager donc de meilleures marges de manœuvre, et puis en même temps des résultats pour le budget général. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce que nous faisons depuis 2014, c'est ce que préconise aujourd'hui le gouvernement à son président de la République, Emmanuel Macron, qui l'impose maintenant dans le projet de loi de finances aux collectivités. Nous avions 4 ans d'avance à l'époque. On est plutôt dans la bonne démarche. Notre collectivité sera aujourd'hui, ce sera peut-être plus douloureux pour la suite. Mais ce n'est pas notre problème. Les charges à caractère général. Alors là, les prévisions budgétaires pour ce chapitre s'établissent à 2 020 000 euros. Contre 2 219 000 euros l'année précédente, malgré l'augmentation donc, de certaines dépenses telles que donc, le fuel, plus 16% entre 2017 et, entre septembre 2017 et janvier 2018, et du carburant, que nous qui touchons tous, Jacqueline va nous quitter, pour des obligations personnelles, je la remercie d'être présente, et donne son pouvoir à Charles Leboeuf, à l'instant T. Donc le carburant augmente de 11 centimes par litre, ça touche tout le monde, ça touche aussi les collectivités. Je ne sais pas quel est le nombre de véhicules dans le parc automobile, mais ça doit représenter une somme considérable. Et si l'information vous intéresse, je demanderai à François de nous préciser un prochain conseil. Mais c'est vrai que le budget doit être conséquent. Les économies substantielles réalisées cette année sur le marché des photocopieurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc 70 000 euros par an, le marché des assurances, et la perte de délégation de compétences en termes de matériel de transport scolaire, permettront de constituer une réserve de 242 000 euros à l'occasion du vote du budget prévisionnel. Donc l'atténuation des produits, donc ça c'est plutôt on va dire une mauvaise surprise, mais en même temps c'est logique, on contribue à l'effort donc, national. Depuis 2017, la commune doit contribuer au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Donc ça c'est un peu nouveau, autrefois c'était seul le CDC, maintenant on doit aussi associer les communes. Donc cela consiste à prélever une partie de nos ressources, de certaines intercommunalités et communes, pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Donc, pour le budget 2018, moi je vous propose donc d'inscrire une somme de 25 000 euros, et c'était 21 282 pour 2017. Donc c'est, je crois que c'est au propre retard de la population déjà. Les autres charges de gestion courante, elles sont prévues à hauteur de 1 151 000 euros en 2018. Stable par rapport à l'année 2017, avec toutefois une évolution du poste des subventions liées, bien sûr, à la subvention à l'école Jeanne d'Arc à hauteur de 135 000 euros, dans le cadre de la mise en place du contrat d'association, et la subvention donc à la CCA à hauteur de 20 000 euros pour cette année et 20 000 euros pour l'année prochaine, dans le cadre donc du financement de la construction de leur local. Les charges financières, donc ce poste passe à 300 000 euros en 2016 contre 289 000 euros en 2017. Donc soit, non c'est le contraire, non c'est pas ça, ce poste passe à 300 000 euros en 2017, c'est ça. Donc soit une baisse de 5%. Non, c'est pas ça. Donc,
mes-là il manque un zéro, c'est pas grave, tout le monde l'a corrigé. On en trouve toujours des coquilles, je m'attendais à ce que vous disiez quelque chose, mais je pense que vous en avez trouvé d'autres que je n'ai pas encore vues. Mais pourtant, c'est pas attention. Cette évolution correspond à l'effet mécanique du vieillissement de la dette qui se traduit par une baisse progressive des intérêts au profit du capital remboursé. Donc, tout le monde va être attentif maintenant. Le désendettement continu de la commune qui n'a plus donc de recours à l'emprunt depuis de nombreuses années. Nous avons aussi les dotations de provision, donc au regard de la provision de 300 000 euros concernant les travaux liés au PAPI déjà constitués au titre des exercices précédents, aucune nouvelle provision n'est prévue cette année. Les travaux avancent en ce qui concerne le PAPI, en ce qui concerne surtout la commune de Saint-Pierre sur chemin de la Pérentine. Je sais que ça crée quelques désagréments, mais ça ne concerne pas sur la commune de Saint-Georges. Mais sur nos habitants et nos riverains de la rue qui longe le chenal, on essaie de faire au mieux avec le département et on fait aussi attention aux prérogatives qui nous sont imposées par la réserve à côté, qui nous impose des interruptions de travaux pour ne pas perturber la nidification des oiseaux. Donc, je le redis, je ne peux pas m'en empêcher. En ce qui concerne, donc là, sur l'item suivant, je n'ai pas. Il y avait page 27. Là. Voilà, si, si. Page 27, vous l'avez, monsieur Zalandin. Voilà, ça va venir. Page suivante. Donc, les nouveaux investissements donc 2018 seront financés par le résultat de la section fonctionnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 851 435 euros. Et donc de l'excédent de la section d'investissement, donc 856 000 euros et dans 856 000 euros. Et c'est donc nous disposons d'un solde de 1 707 000 euros pour les investissements en 2018. En matière de dépenses, elles sont essentiellement liées à trois postes en ce qui concerne l'investissement. Donc bien sûr en premier, le remboursement de capital de la dette, qui s'élèvera à 665 000 euros. Les participations versées pour travaux d'équipement. Donc là, il s'agit des différentes participations versées aux organismes de regroupement habituels, départements, communautés de communes, CIFICES. Le montant prévu en 2018 est de 337 000 euros. On retrouve notamment au sein de ce poste la sécurisation de la traversée de Maisonneuve, donc 162 000 euros donc pour la première tranche. Les travaux du CEPMO, donc ça c'est un remboursement d'emprunt que la commune suit par un fonds de concours. Donc pour une échéance de 4 865 euros. Le programme d'action de prévention des inondations, le PAPI pour 204 300 euros. Donc là, c'est toujours au secteur regardé de la Pérentine. Les travaux donc, du CIFICES, donc la participation à hauteur de 20 700 euros. L'ONF, l'entretien courant des 25 000 euros. Donc ça, c'est tous les ans. Logement de la minoterie, alors là, c'est un peu une volonté de notre part de porter en 2018 15 000 euros. Et je tiens à préciser qu'il y aura aussi 15 000 euros en 2019. C'est la contribution communale donc supplémentaire que nous ferons sur ce projet pour l'aide à la création de logements sociaux. On n'était pas obligé puisque la CDC le faisait. Mais suite à des échanges avec Habitat 17, j'ai demandé donc, à mes collègues de valider cette option pour que ça puisse se faire car on avait un risque majeur pour que l'opération de la minorité ne se fasse pas ou ne soit plus prioritaire par rapport aux restrictions que subissent les habitats sociaux en particulier et les bailleurs actuellement dans leur capacité d'investissement. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est que 30 000 euros, mais ça permet peut-être aussi de pouvoir faire aboutir les projets, de les maintenir dans les délais. Donc, j'en profite pour le dire maintenant, les travaux vont commencer, puisque là, on est dans la période de désalimentage, et ça y est, donc on va commencer à déconstruire la minoterie que vous connaissez. En ce qui concerne donc, les dépenses d'investissement, on a bien sûr les dépenses d'études d'équipement que nous devons suivre. Alors les investissements suivants sont budgétés donc, au programme, donc au budget provisionnel 2018. Alors les programmes, nous avons bien sûr la place Vendetta. Je rappelle quand même, la place Vendetta c'est la mise en sécurité complète, en particulier par le double sens de la rue Benjamin Delessert, le retraitement des entrées et sorties, la création d'un parvis donc, devant le kiosque, le reprise des stationnements, la mise en conformité avec le PAV. La réalisation des travaux se fait en deux phases, donc sur un budget 2018 à hauteur de 1 200 000 euros, avec un reste à réaliser qui est facile à comprendre, puisqu'il fallait globaliser la totalité de l'opération pour obtenir une subvention de 1 161 000 euros. La participation du département de 180 000 euros par un fonds exceptionnel, puisque nous sommes une commune de plus de 5 000 habitants, donc pas éligibles à ce genre de projet. L'aide du député Didier Quentin qui, au
de sa réserve parlementaire, ce sera la dernière d'ailleurs, à hauteur de 35 000 euros. Le DETR à hauteur de 266 000 euros. Et le PSI à hauteur de 32 500 euros. Je crois que le but de mémoire, c'est 548 000 euros de subvention que nous devons à ce jour. J'espère en obtenir encore un peu, mais je suis en attente. Et si la bonne surprise arrive, je vous prendrai immédiatement au courant. Dans les programmes, nous avons aussi le marais de la Borderie, avec sa station de traitement des eaux pluviales pour la route des marais et les bassins de dégrainage de la Borderie. Ça concerne toute la partie est de Saint-Pierre. Il y a un reste à réaliser de 3 100 euros. L'accessibilité, donc du programme donc l'ADAP, avec des bâtiments publics, pardon, l'école, les salles municipales, l'école de musique, avec un reste à réaliser de 80 000 euros. Les financements par l'État, l'ETA PSI à hauteur de 144 000 euros. Nous avons aussi dans le cadre des programmes des équipements sportifs et de loisirs. Donc, les deux projets essentiels, on en parle assez souvent au conseil municipal, sont les suivants. Création d'une salle omnisport pour un montant de 376 000 euros avec un reste à réaliser de 46 000 euros puisque nous avions déjà inscrit l'opération. Là aussi, nous l'avions inscrit pour tout simplement pouvoir fixer les demandes de subvention nécessaires. Si on n'inscrivait pas la totalité de l'opération, on n'était pas éligible à ces subventions. La construction de l'Oléron Bike Park, donc c'est la piste BMX et VTT et le Pelos, donc en concertation avec l'association du Pédaclub Oléronais, avec un reste à réaliser là aussi de 1 166 000 €. Si vous avez été attentif, ce que je n'en doute pas à la lecture de l'ordre du jour, nous allons, si vous me l'accordez, déposer le permis de construire et les autorisations nécessaires administratives pour le permis de construire en particulier du club house du BMX et l'autorisation du permis d'aménager pour la partie VTT, pump track de la partie donc loisirs et accessibles qui devrait commencer assez rapidement. Et tout va très bien. Nous avons bien sûr en dehors de ces programmes les travaux de voirie, alors là, ça, c'est ce qui compte le plus, semble-t-il, et c'est ce que les gens attendent, bien sûr, mais c'est logique. Et la commune en a grandement besoin, je le sais, je l'entends, je lis des courriers tous les jours, mais nous faisons des efforts, vous allez voir. En opération de voirie, nous avons les travaux d'assainissement, pluviale et réfection de la voirie du Grand-Guerre. Donc là, nous sommes sur une livraison fermée, en fait. Enfin, nous arrivons au bout, il a fallu même inventer des nouveaux systèmes donc de réseau pour que l'on puisse tenir compte de la difficulté de la topographie de cette rue qui était plutôt un lac qu'autre chose. Donc avec un reste à réaliser de 415 000 euros. La rue de la République qui est démarrée Patoiseau et Rulon avec un reste à réaliser de 300 000 euros. Les travaux de l'avenue des Pins, donc avec la poursuite de la piste cyclable qu'on va appeler piste multi-usage, puisque quand on met une piste cyclable, il y a forcément une voiture qui stationne dessus, il y a forcément des piétons, des poussettes, il y a forcément des trottinettes et j'en passe, et surtout des gens qui grognent. Mais bon, ça reste une piste multi-usage qui permettra de sécuriser surtout la circulation piétonne et cycliste entre les campings, les villages de la Grand-Côte et le village de la Coutinière. Donc là, on a un reste à réaliser de 155 000 euros. Et autant pour la Grand-Guerre, les présents sera fin mai, je crois que là, ce sera fin avril, on va dire quelques jours après. On va dire fin mai. On va être attentif, mais tout est en bonne voie. Et ce n'est pas le gel actuel qui empêche les travaux de continuer. Nous avons participation sur cette avenue des Pins de la CDC dans le cadre d'un fonds de concours qui est resté, puisque c'était la poursuite de la piste cyclable, et s'était identifiée dans les travaux de voirie communs entre la CDC et la commune Saint-Pierre à hauteur de 50 000 euros. Et puis, grâce à François Denacé, on a eu une réserve parlementaire supplémentaire du sénateur Daniel Laurent à hauteur de 10 000 euros. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Là aussi, ce sera la dernière cartouche. Nous avons l'aménagement donc, du carrefour des Tricoles, donc ça c'est demandé par tous les villages concernés par ce carrefour, et ça c'est important, sécuritaire, d'une intersection qui est forcément très dangereuse et peu lisible, donc là c'est 60 000 euros. La réfection de la rue de la Bouline, alors c'est pas de refaire la route qui est bien refaite, mais c'est surtout pour considérer l'accessibilité PMR entre la place Gambetta et la rue Karenina, permettant un vrai cheminement entre le centre de santé et l'hôpital local et la place de Gambetta. Donc là, c'est un projet à 150 000 euros, une reprise complète donc, des trottoirs. Une réfection aussi donc, de la rue de la République et devant l'église. Donc là, on inscrit 125 000 euros. Je ne vous cache pas que là, c'est un vrai projet d'avenir qu'il va falloir envisager avec une étude complète de la rue de la République et de cette rue piétonne, avec ces, je ne s'appelle pas ça des pavés, mais ces pierres qui se disloquent et qui mettent en danger
beaucoup de piétons. Et on voit bien que, avec le temps, l'usage intensif des véhicules, en particulier des véhicules lourds, ne correspond pas du tout à ce type d'aménagement. Et là, il faudra vraiment envisager une bande roulante non brevée de qualité pour éviter donc toutes les gênes que cela peut occasionner. Et enfin, donc, la mise en place donc, de caméras de vidéoprotection. Là, j'inscris un projet de 70 000 euros en attente de l'arrêté préfectoral et des périmètres donc, concernés. À ce titre-là, je peux rajouter que nous travaillons avec les services de gendarmerie et nous répondons bien sûr aux obligations que nous devons avoir dans le cadre des protections des périmètres des écoles et en particulier des rues piétonnes ou des lieux accueillant donc, des publics. Je rappelle qu'on a à peu près 40 000 entrée-sortie de la rue piétonne par jour en plein été sur Saint-Pierre et le port des Coutillères. Ça se chiffre à plus de 60 000 avec bien sûr une demande forte des riverains et des commerçants avec une réunion que nous avons eue l'année dernière après la saison. Et donc là, quand on aura l'arrêté préfectoral, je vous présenterai en conseil municipal et je vous présenterai donc les périmètres concernés et la mise en place donc de ces caméras et les modalités de fonctionnement avec bien sûr une écoute toute particulière sur les remarques que vous aviez déjà pour certains présentées et que nous avons tenu aussi à émettre auprès des services concernés pour que ce soit un fonctionnement tout à fait correct mais qui permette surtout de protéger les espaces concernés et d'être en conformité avec les arrêtés alerte à santé qui sont. En ce qui concerne donc les projets, nous avons aussi les constructions, donc l'amélioration énergétique de l'école de musique. Bon, je ne vous cache pas un avis purement personnel que nous mettons. Pardon ? Oui, c'est très important. Travaux de Paris, je reviens dessus. Et là, c'est là encore une volonté forte, puisque nous avions eu des demandes de la part des riverains, et surtout j'avais été étonné par le nombre de véhicules passant sur cette route. Donc nous avons prévu d'inscrire donc au budget, en particulier sur la charge de fonctionnement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas de l'investissement, une dépense à hauteur de 200 000 euros pour la réfection de la route de la fromagerie, donc travaux d'enrêtement routier, comprise entre donc, la casse à Banda et le village à fromagerie sur cette partie. On sera obligé de faire en deux parties, car l'effort est conséquent, et on projettera sur 2019 la deuxième partie restante en allant vers le village. Je crois que c'est 24 000 véhicules jour. Donc c'est important, et puis cette route, pour ceux qui la connaissent, ça devient un ralentisseur naturel. J'espère que dans l'avenir, il ne faudra pas envisager d'en installer d'autres, puisque ça sera plus rapide, pour reconnaître. En ce qui concerne les constructions, excusez-moi si j'ai sauté cette ligne, l'amélioration énergétique de l'école de musique, 60 000 euros, bon, c'est quand même une école intercommunale, mais le bâti reste communal et dans le cadre du transfert des compétences, il a été oublié le bâtiment, donc on assume notre charge de propriétaire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres transferts vers des communes d'autres installations. Mais bon, on le fait et on continue à travailler. Je sais qu'il y a une attente très forte pour les usagers. Et en particulier pour les élèves de cette école de musique, puisque là, on est vraiment en train de chauffer tout le quartier. Rénovation de l'hôtel de ville, 168 300 euros, bon, ça c'est une somme assez précise, mais je pourrais rajouter à ce document qui vous a été présenté, quand on est vraiment dans un projet pluriannuel de réfaction complète, vous l'avez compris, depuis le début du mandat, on a déjà travaillé sur certains secteurs, dans cette salle en particulier, sur le service de l'urbanisme, sur l'accueil donc, qui va commencer en septembre. J'en profite pour vous dire aussi que l'appel d'offres qui avait été prévu sur l'accueil a été infructueux sur trois lots, c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire dès le début de l'année. Quand on découvre les lots, je suis un petit peu sceptique du peu de réponses des entreprises, quelles que soient les entreprises, puisque là, en l'occurrence, c'était un appel d'offres national. Mais bon, faire du carrelage, ça ne les intéresse pas. Mettre une porte d'entrée non plus. Donc, je pense que le lieu était trop petit. Bon, il n'empêche qu'on va retarder, on va relancer l'appel d'offres pour cette partie. Et en même temps, on est sur une lecture aussi d'une reprise complète pour continuer les obligations d'aménagement que nous devons en tant que municipalité des bâtiments communaux. La reprise aussi du premier étage dans son ensemble, qui n'est pas fonctionnel et qui est à l'envers en termes de fonctionnalité sur certains services. Par exemple, le service technique est complètement au bout du premier étage, au bout du couloir. Je vous cache, s'il y a des auditeurs ici, mais je vous cache toutes les anecdotes de personnes qui cherchent le service technique, qui se trompent du bureau et qui rentrent partout, même dans certains endroits inappropriés. Mais ce serait bien peut-être de reconsidérer un petit peu la chose, puis surtout de se mettre
en préparation de l'arrivée, par exemple, de la fibre et des éléments de travail nécessaires pour la partie administrative de la commune. Donc là, c'est un programme plutôt pluriannuel et nous avons demandé une assistance technique d'ouvrage pour justement définir les options et les orientations qu'on vous présentera sur un début de conseil quand on aura finalisé le dossier. Rénovation des salles donc de bain de la gendarmerie. On est dans nos obligations propriétaires. Tant que la gendarmerie actuelle n'est pas construite, on assume une charge et ils en ont vraiment besoin. Remplacement donc de matériel pour les écoles, les salles et puis les entraves pour un montant de 100 000 euros. Alors pour les logements, donc là c'est une confirmation, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, des opérations à logement à loyer modéré. Donc c'est la réhabilitation des 20 logements de la minoterie. Habitat 17 engage une dépense assez conséquente, 1 500 000 euros. Et les travaux donc, devraient démarrer. Et en même temps, ils réhabiliteraient la partie de la minoterie 1, si on peut l'appeler comme ça, dans leur programme. Et ça devrait être fini pour, on va dire, fin 2019, si je prends quelques marges de prudence. Et puis, bien sûr, nous avons, en termes de logement, la réalisation qui est en cours du lotissement d'accession à la propriété que nous avons établi au plein cœur du quartier du Fiat-Porto, avec donc 9 constructions pour des jeunes ménages. Je pense qu'il reste un lot à vendre. Donc c'est l'opération Prime Access. Et puis pour les écoles, toujours notre programme de travaux d'habitation des écoles pour 136 000 euros. Voilà, j'en ai terminé donc sur le budget principal. Alors, je pense que M. Valarois va nous expliquer les ratios des désendettements de la commune qui doit suivre. Voilà. Et ça, vous ne l'avez pas dans le document, mais on doit vous présenter bien sûr l'état de l'endettement de la commune. Alors, vous avez à l'état de ce tableau, je dirais, la continuité au fil de l'eau de la fin de l'extension donc des emprunts en cours. Et si on fait donc le ratio des endettements net sur le cadre brut, je peux vous dire ce soir que la commune se désendetterait en 5 ans. Tout à l'heure, je vous disais qu'en DOB, on était sur une période de 12 ans, donc on est sur une période de 5 ans. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, et c'était aussi une attente des services de l'État par rapport donc, à la commune de Saint-Pierre. Donc on est sur la bonne voie. Et je remercie tous les services, et bien sûr tous les adjoints qui me suivent pour avoir écouté toutes les précautions que l'on devait prendre au début du mandat pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Alors maintenant, on va attaquer donc le budget annexe du port. Alors, c'est un peu une année particulière, l'année 2018, si vous permettez, en préambule, que c'est une année de transition. En même temps, c'est la dernière année de la gestion de la commune de Saint-Pierre du port de la Cotinière dans sa concession. J'étais hier au département, j'en ai reparlé, bien sûr, avec les services et les élus concernés. Et un compte à rebours va se mettre en place. Nous allons travailler entre nous pour finaliser et fixer toutes les questions qui sont encore en suspens, mais qui sont logiques, sur les poursuites de contrats, les fins de contrat, les assurances, les limitations. Bien sûr, la première des questions, ça a été les agents qui, par mutation, ont passé dans le statut départemental, avec donc toutes les règles habituelles, et les ouvertures de poste sur donc, le budget départemental, et la mise en place de cette régie. Donc tout ça va se mettre en place dès le mois de mars, et il y aura des réunions de travail pour finaliser, j'espère en septembre, on va dire une régie vierge, mais prête à fonctionner, pour pas qu'au 1er janvier de l'année 2019, il y ait une interruption, quelle qu'elle soit. Donc, en application de l'article 22 de la loi NOTRe, le conseil départemental de la Charente-Maritime et la commune de Saint-Pierre se sont portés candidats pour l'élection du port de la Cotinière. Cependant, par un courrier 19 mai, alors non pas du préfet, mais je rajouterai ce soir du secrétaire du préfet qui, avant de partir, nous a pondu sa lettre, remettant en cause donc un avis, et surtout a mis un avis négatif sur la participation de la commune, précisant que seul, et c'est vrai que la loi NOTRe le précise, les CDC sont aptes à faire acte de candidature. À côté de commune, ils n'ont pas fait candidature. La compétence portuaire revient au département en fin de concession, donc le 31 décembre 2018, et le département a souhaité mettre en place une régie et fera en sorte, dans cette régie départementale, de mettre en place une gestion commune entre le département et la commune, et toujours pour préserver l'historique du port de la Coutinière, ses 150 ans d'histoire, et l'action donc, de la commune depuis le début pour le bien-être de ce port et de son activité, et bien sûr, des marins.
Malgré cette fin de concession programmée, la commune s'inscrit donc dans une démarche volontaire. Elle assumera ses prérogatives jusqu'à la fin de l'année 2018 afin de maintenir un service public de qualité. Et c'est ainsi qu'il est envisagé pour cette année donc, le dragage du port pour un montant de 100 000 euros. A noter qu'avec les dispositions que nous avions prises de piège à sable, ça c'est une idée américaine fantastique, nous avons un dragage qui ne se fait que tous les deux ans. Et ça nous permet de le mettre tous les deux ans, alors qu'avant, il fallait pratiquement budgéter cette somme tous les ans. L'achat de bacs de bord et divers matériels, donc pièces de stockage, groupe froid, coffre électrique, pour une somme de 335 000 euros. Je ne sais pas si un jour on se sortira, enfin si, la fin de l'année, oui, on se sortira de cette histoire, de fait. Mais il y a une certaine évaporation des bacs de la coutinière, et on voit d'ailleurs dans certains reportages télévisés, aux journaux télévisés, quand on parle de l'Hérault, les bacs de coutinière en exposition dans toutes les grandes surfaces de France. Ça nous fait un peu de pub, mais ça nous coûte un peu cher. Je n'ai pas encore osé demander à la CDC une participation en termes de fonds de concours pour la publicité qu'on faisait de l'Hérault, mais il faudrait peut-être y penser. La rénovation de l'ancienne maison du garde-phare, alors ça c'est quand même quelque chose d'important pour 390 000 euros. Et donc là nous sommes... à la veille de déposer, le permis de construire va être déposé. Et en même temps, c'est un projet que nous avons pour conserver cet espace en salle municipale et une exposition temporaire pour la SNSM et de revaloriser ce site et cette maison remarquable qui est un emblème pour la coutinière et aussi un point d'appui pour l'avenir. A noter pour cette année la mise en fonction du nouveau chariot élévateur, donc ça y est, il fonctionne bien, les tests de pesée ont été faits. Vous comprendrez que par rapport aux éléments, on n'a pas souhaité inaugurer. L'investissement est à hauteur d'un million d'euros et des demandes de subvention sont en cours d'instruction. Je crois qu'on peut obtenir c'est pratiquement 75% de subvention, presque 80% de subvention sur cet investissement. C'est pas neutre et on attend que c'est en cours d'instruction. En ce qui concerne donc, le golf, on a aussi un budget annexe. Je dirais que le résultat de fin d'exercice peut ressortir un déficit de 156 474 euros. Je préférerais rajouter un déficit cumulé sur les précédentes années. Quand on votera les budgets, vous le comprendrez très bien, puisque nous avons deux années particulières suite à deux sinistres consécutifs, incendie et inondation, qui ont contribué fortement à ce déficit. Même si, bon an, mal an, on arriverait presque à faire des résultats. Mais là, on a un lourd passif et je suis en train de réfléchir avec les services et tout le public pour trouver une solution pour ne pas impacter de façon continue sur le déficit qui n'est pas forcément justifié. Dans la perspective d'un retour rapide à l'équilibre de ce budget annexe, ça c'est pour la forme de la sémantique, les augmentations de tarifs votées en décembre et les économies faites sur les frais de personnel permettront de participer à l'apurement de ce déficit définitif. Alors, dans les 5 ans, je rajouterai les prochaines années, parce que on a des marges de manœuvre hein, qui sont assez faibles. Et même si on arrive à avoir quelques excédents, c'est plusieurs décennies qu'il faudra pour essayer d'amortir cela. Et je reconnais que les efforts vont être faits de la part et d'autre, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau des golfeurs. Et puis, on espère que rapidement, on aura des budgets à l'équilibre, voire même excédentaires. Les dépenses donc, ont été revues un petit peu à la baisse et les travaux donc, de mise en valeur du golf étant presque terminés. Seul le montant des amortissements augmenteront à hauteur de 30 000 euros. Il s'agit de l'amortissement du close à compter 2018. Je rajouterai dans le cadre du CDOB qu'au niveau du vote du budget provisionnel, on expliquera comment on arrive à faire porter l'effort financier nécessaire pour la station d'épuration et la gestion du renouvellement du matériel sans impacter par un emprunt ce budget annexe, car on est dans l'incapacité à emprunter, vous l'avez compris. Budget annexe du marché couvert. Les recettes de ce budget restent stables du fait de la non-augmentation des loyers et des charges depuis 2014. Ça, c'est un long débat que nous avons déjà eu entre nous et des positions à géométrie variable, mais quand même qui restent logiques. Concernant donc, les dépenses, les charges financières baissent du fait du vieillissement de la dette, donc plus de remboursement capital et moins en intérêt. Du fait de la subvention d'équilibre qui a été mise en place, donc versée par le budget principal, ce budget dégage cette année un excédent de 76 106 euros en fonctionnement. Je rappelle que la subvention c'est 80 000 euros, donc ça vous laisse réfléchir.
Cet excédent va servir à financer le besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 215 150 euros. Et dans la perspective du retour à l'équilibre budgétaire de ce budget annexe, la commune devra continuer cette année à verser une subvention d'équilibre du budget principal de 80 000 euros. Une délibération devra être prévue pour les années 2018 à 2020 afin que le déficit de ce budget soit définitivement apuré. Les dépenses et recettes de fonctionnement sont maintenues à l'identique par rapport à 2017. Et concernant l'investissement, une inscription budgétaire de 20 000 euros est prévue pour l'éventuel besoin. Trois emprunts ont été contractés sur ce budget. Il y en a un qui se termine en 2020 et devront permettre d'alléger à partir de cette date l'effort financier annuel à hauteur de 12 000 euros. Je rappelle encore au conseil municipal, et ça je sais que vous le savez très bien, que nous sommes encore en train de rembourser l'emprunt de l'ancien marché couvert. Il reste encore une échéance à devoir. Concernant donc le budget annexe du camping municipal, là c'est un peu moins joyeux. Une nouvelle baisse dans la fréquentation a été observée en 2017, avec donc une conséquence, une diminution du chiffre d'affaires, 140 600 euros. L'année dernière c'était de 148, et puis les années précédentes mieux encore. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a les conditions météorologiques défavorables, ça peut s'expliquer. Mais surtout, la mise en place d'une personne salariée sur la structure H24 qui nous a été imposée, que l'on devait même respecter, hein, si on veut dire les choses correctement, par instruction du préfet pour la surveillance des campings. Et c'est venu, bien sûr, c'était notre inquiétude de l'année dernière, déséquilibrer complètement le budget, qui était déjà en situation fragile. Et par exemple, l'âge 24, c'est une nouvelle charge de fonctionnement de 14 000 euros qu'on ne peut pas absorber. Donc le résultat provisoire fait apparaître un déficit de 10 000 euros pour l'année 2017 et un déficit cumulé de 24 500 euros. Au regard de ces chiffres, l'élaboration du budget 2018 s'entend de façon vraiment très très prudente. Une augmentation des tarifs au niveau d'électricité peut être envisagée, la facturation des frais de dossier aussi, mais pour une recette supplémentaire de l'ordre de 6 000 euros. Très facile à comprendre, on a 80 emplacements, on a peu de fréquentation, à part augmenter les tarifs, mais ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Et on ne fait que du camping traditionnel, toit de tente, en tout cas, non pas de la location habitation légère de loisirs avec une forte plus-value à la semaine. D'autres collectivités ont cette capacité de pouvoir le faire, avec des chalets ou autres, mais sur des volumes d'emplacements beaucoup plus importants. Et Jean-Yves Livenet a bien sûr plein de projections et de perspectives sur ce camping, mais cela pose une vraie question de fond sur le devoir d'une collectivité en termes d'activité commerciale et ses engagements. Est-ce qu'on a vocation à faire de l'hôtellerie plein air avec de la location de chalet pour, sachant que si on achète par exemple 4, c'est pas rentable, si on achète 10, ça devient rentable, mais ça produirait suffisamment de recettes pour couvrir nos dépenses. Alors, on est en train d'essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc c'est vrai que l'année 2018 va être compliquée, on se pose de réelles questions, je le dis ce soir, sur l'ouverture du camping, sur des mois où le déficit est quasi à 100%, pour très peu de recettes. Et voir si on va étudier ça et on proposera en plein, dans le cadre de la commission de finances, si on ne va pas plutôt réduire la période d'ouverture pour essayer d'amortir le déficit, parce que là on arrive sur un déficit chronique qui va nous poser de vrais problèmes dans l'avenir. Ce soir. Concernant les investissements, mais bien sûr le changement des bornes électriques, les travaux d'habitation, d'accueil, aménagement d'un préau devrait donc porter la section d'investissement à hauteur de 147 200 euros. Donc vous imaginez ce que je viens de vous dire et ce que l'on doit faire. Le financement de ces opérations de retraite réalisées par un emprunt sur 15 ans pour un coût annuel de 12 000 euros par an. On n'arrivera pas à courir pour l'Eurostat. Je ne sais pas pourquoi. Il est à rappeler que le renouvellement du classement 2 étoiles doit être effectué en 2018. Et que le chiffre d'affaires moyen de ce camping sur les dernières années s'élève à 153 300 euros quand on est dans des belles années avec un calendrier favorable et une météo favorable. Et voilà, on a bien sûr un cap à suivre. Alors j'en ai terminé avec cette présentation de ce débat de réflexion budgétaire. Je remercie très franchement les agents et les services pour le travail d'ajustement et de mise en forme de ces documents présentés. J'excuse une petite faute qui est en jeu. Et voilà pour le débat d'action budgétaire. Et si maintenant vous voulez intervenir, bien sûr, je suis tout à votre écoute. Moi, je
pas d'abord. Je vais plomber. Ça vient d'abord. Oui, mais moi, je vais plomber l'ambiance. On n'avait pas établi l'ordre à l'avance. Finalement, voilà. Je suis plus optimiste apparemment, donc Marie-Claude me laisse. Bon, par rapport à ce qui a été évoqué, j'ai juste évoqué quelques petits points comme ça au passage. Sur le contexte national, ce que je note, mais on l'a déjà eu les années précédentes, c'est que nous partageons, je crois, le regret d'une posture de l'État qui à la fois réduit ses soutiens aux collectivités locales et en même temps leur inflige un certain nombre de contraintes ou d'obligations nouvelles qui pèsent sur les collectivités qui produisent ce qu'on appelle souvent des effets de ciseaux, c'est-à-dire à la fois des dépenses qui augmentent du fait d'obligations posées par l'État et les recettes qui se réduisent du fait des décisions de l'État lui-même. Je trouve qu'en particulier, voir l'État se mêler du niveau d'endettement des collectivités locales, sachant que globalement les collectivités locales ont plutôt toujours été raisonnables dans leur gestion de la dette, et sur ce point-là on est d'accord, elles sont responsables de l'essentiel de l'investissement public, et qu'à ce titre il est logique qu'une partie de cet investissement public soit assumée par l'emprunt. Je trouve qu'effectivement la posture de l'État par moment est quand même assez incroyable et difficile à soutenir. Bon, c'est un contexte national donc qui est contraignant, dans lequel toutes les collectivités sont amenées à essayer de faire des choix de gestion et qui conduisent à réduire les services. Et j'en viens à la situation de la commune. La stratégie de réduction d'effectifs que je comprends, et sous notre mandat, on avait déjà pas systématiquement remplacé tous les postes, même si on avait au total gardé les effectifs constants. La stratégie de réduction d'effectifs, mais je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit au moins l'année dernière, elle a aussi ses limites, même s'il faut que ça reste marginal. C'est le fait que les communes ont aussi eu une obligation sociale. Disons qu'il était de tradition que les communes assument une obligation sociale qui a pu donner lieu à des dérives ou à des, à des recrutements de complaisance. Et là-dessus, je pense qu'on sera assez d'accord pour les dénoncer, mais qui pour autant assurait, je l'ai déjà dit, l'emploi à des personnes qui ne sont pas en mesure de trouver de l'emploi dans le secteur privé. On peut juger que les communes ou les collectivités d'une manière générale doivent s'aligner sur des standards de performance et d'efficacité, c'est un discours que je peux porter à l'occasion, mais de toute façon ces gens-là à un moment donné il faudra bien les occuper. Et c'était le rôle des communes, ça l'a été pendant des décennies. Alors aujourd'hui, évidemment, on est passé sur d'autres conceptions du management. Je pense qu'on en paiera le prix par ailleurs. Juste une parenthèse, excuse-moi si je t'interromps, c'est qu'on a quand même titularisé des personnes dans nos effectifs sur des remplacements de départ d'otage, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas systématiquement fait. Oui. Et en particulier, on a tenu compte aussi de cette vocation sociale. Pour ceux qui sont en CT, on sait, mais. Je ne peux pas dire les mots ce soir, mais bien sûr, on a tenu compte. C'est pas le. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'être nominatif là, c'est juste sur le la philosophie d'ensemble, et encore une fois, ce n'était pas tant les choix municipaux que discutaient ici, mais plutôt la logique qui était vendue, entre guillemets, et qui, à mon avis, peut à terme avoir des effets tout à fait délétères. Alors, sinon, par rapport à ce qui nous est annoncé, je ne vais pas revenir sur l'équilibre général du budget, juste peut-être quelques points de détail par rapport aux travaux, ou les points auxquels moi je suis plus sensible. La question des travaux de la place Gambetta, je voulais juste poser la question du montant total actuel des travaux, parce qu'il me semble qu'au démarrage on était sur une estimation à 2,4 millions, et quand on fait le total de ce qui est indiqué ici, on est à 2,8 millions. Bon, Je peux répondre sur la place Gambetta. Effectivement, il y a une différence d'une part, pour être totalement transparent, il y a une différence entre la valeur, mais ça vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de FCPA, entre la valeur du hors-taxe et du TFC, avec donc
une TVA aussi à envisager, et qui sera donc disponible qu'en 2020. Alors, on ne la comptabilise pas aujourd'hui dans notre dans nos recettes, dans l'équilibre donc notre budget. Ce qui s'est passé, la différence, c'est qu'il y a des éléments rajoutés, par exemple la gestion des toilettes publiques que nous transférons, qui sont aujourd'hui donc détruites, mais que nous avons donc transférées. On a doublé notre surface d'activité des maires sur les toilettes publiques et on l'a mis près de l'office de tourisme. On a pu négocier auprès de la CDC que la prise en charge architecturale de ces toilettes publiques soit prise en charge par la CDC, donc la réhabilitation complète de l'office de tourisme de son parvis. On a aussi des éléments qui ont été, je dirais, sensibles, et on a voulu se mettre en conformité avec les conteneurs enterrés pour éviter d'avoir ce que nous avions habituellement, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent bien le plan d'État, un mur de poubelles entre les différents restaurants et qui fermait l'entrée du musée. Donc ça a un coût supplémentaire. Nous avons aussi des frais de fouille qu'on n'avait pas considérés, mais qui étaient obligatoires et qui s'appliquent systématiquement aux collectivités qui entreprennent des travaux sur les places publiques. Maintenant, c'est une action départementale, même si on peut supposer avoir des aides, c'est obligatoire. On a eu des mauvaises surprises. Le mur du restaurant de Mipat, par exemple, pour ceux qui ont un sens de l'architecture et de reconnaissance historique de la commune, on avait quand même un amoncellement de bâtiments de l'époque, avec un mur de soubassement de propriété, qui a servi de base à des sacs de ciment qui ont été empêtrés dans du plancher ourdi, qui servait de support pour des briques, qui servait de support pour l'étage. Bon, par délicatesse, nous avons souhaité prendre ça à notre charge, pour éviter que le restaurant ne s'écroule, déjà, premièrement, et deuxièmement, qu'on impose à cette activité-là des dépenses qui n'étaient pas prévues. On pourrait reprocher cette générosité. Et puis, très franchement, on a souhaité aussi qu'il y ait un traitement un peu équitable entre toutes les terrasses dans le cadre de l'aménagement du projet qu'on voulait présenter. Et il s'est vite avéré que dans les discussions que nous avions, dans la dynamique que l'on veut envisager en termes d'animation de cette place en bêta, on ne pouvait pas imposer aux restaurateurs d'assumer les charges de terrasse, la construction, le traitement, la couverture. Et pour qu'il y ait une uniformité, une conformité et un respect aussi du permis d'aménager que l'ABF nous avait imposé, ça a été une dépense supplémentaire qui fait le delta, la différence. Et je rajouterai aussi l'éclairage. L'éclairage à place en bêta, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est inexistant puisque les faisceaux sont coupés, mais il n'existait pas beaucoup non plus avant, précédemment. Et cette charge, même si c'est révisé et que les services techniques et Françoise sont assez, je dirais, prudentes et en même temps cherchent à faire des économies de tous sens, la somme est considérable et on a donc une prévision de dépenses de 169 000 euros sur 5 ans à envisager avec l'OSER pour la part communale pour cette place en bêta. Je l'ai déjà dit dans le cadre de la présentation du projet, je le répète ce soir. L'éclairage se fera en éclairage LED, c'est pour ça que ça coûte si cher. Mais la différence, c'est qu'en termes de consommation, on nous garantit une consommation de moins d'un kilowatt par nuit, ce qui est équivalent à 1 euro ou un peu moins d'un euro. Alors que si on était resté en éclairage traditionnel, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher, mais les sommes auraient été considérables en termes de dépenses de fonctionnement. Ce qui fait le delta donc demandé. Et puis, on a donc pour notre totale subvention 548 000 euros de subvention que nous avons aujourd'hui acté et acquis. Et nous ferons bien sûr l'autofinancement par l'emprunt dans le cadre de la conduction donc de l'emprunt et de la résolution de l'emprunt toxique qui nous permettait de lever l'emprunt de 10 millions d'euros qu'on avait finalisé sur cet espace. Et ça nécessite un fonds propre de notre part pour faire la compensation sur la mobilité de la somme. Chose qu'aujourd'hui on peut porter par la commune. Alors, autre point, je change vraiment de sujet, et là c'est plus une question de position politique, philosophique, c'est sur la vidéo que je continuerai à appeler vidéosurveillance, et pas vidéoprotection, un grand pas. C'est un sujet sensible. Bon. Moi je suis intimement persuadé que ces dispositifs n'ont pas l'efficacité que leur prêtent beaucoup de gens. Bon, je sais qu'il y a énormément de demandes d'un certain nombre de commerçants, parfois d'habitants. Tous les travaux que j'ai pu consulter sur le sujet montrent que cette vidéosurveillance peut avoir un effet dissuasif et donc peut
on peut y avoir recours d'une manière qu'on pourrait juger utile sur des secteurs très précis sur lesquels il y a, généralement c'est des trafics de drogue, pour ne rien cacher, c'est-à-dire là, sur lesquels il y a des faits délictueux qui posent problème, mais en revanche, toutes les études montrent que ça ne fait que déplacer le problème, que du coup, ceux qu'on arrive à dissuader à un certain endroit se réinstallent sur un autre endroit. Donc soit on veut une société dans laquelle l'intégralité des espaces publics, des espaces privés, commerçants par exemple, l'intégralité des espaces publics seront surveillés ou sous surveillance permanente. Et je crois qu'on est en train d'y glisser tout doucement, sans que personne ne s'en émeuve et sans qu'on mesure les conséquences que cela pourra avoir le jour où des pouvoirs un peu moins bienveillants que ceux que nous avons actuellement s'en serviront. Donc on est en train de glisser tout doucement dans une société dans laquelle il n'existera plus dans l'espace public d'espace de tranquillité, de sérénité, dans lesquels on échappe au regard d'autres. Et moi je suis vraiment à titre personnel tout à fait inquiet de cette évolution. Après, je comprends, je connais les demandes d'un certain nombre d'acteurs ou de commerçants, je reste persuadé que d'autres mesures peuvent être plus efficaces. Bien, alors, sur ce point, mais c'est clair qu'on aura un désaccord, je reste sur la vidéoprotection. C'est vrai que c'est une lecture, et beaucoup font 10 vidéosurveillance ou l'inverse. Dans tes études que tu as pu faire, et je voudrais te rappeler que tu étais maire de la commune, et que tu étais aussi gestionnaire du port de la Cotinière, et que tu peux noter, à ce titre-là, que depuis qu'on a mis en place la vidéo, pour le coup surveillance, cette fois-ci je peux le confirmer, je le dis, sous le couvert d'Éric Hubert qui est présent, on est passé d'un sinistre ou d'un problème à régler par la collectivité par jour à un par an pratiquement. Donc là c'est un fait, tu ne peux pas contredire. Et le seul point qu'on a, c'est quelqu'un qui nous a défoncé le portail en marche arrière, justement où il n'y a pas de caméra, et qu'on n'a jamais retrouvé, qui nous a coûté le caméra métal de 70 000 euros, tout comme ça. Donc, juste pour donner une idée. Alors, ça c'est un premier point. Et on avait à la Cotinière une obligation de mise en place de ces vidéos, puisqu'on est quand même sur un secteur marchand, avec des dispositions de marchandises qui sont soumises à des ventes aux enchères, avec donc du personnel municipal qui peut être engagé et responsable, et en même temps surveillance des produits et des espaces qui sont des espaces privés. On a aussi des ateliers techniques, curieusement. Dès qu'on a mis en place le système de vidéoprotection, je vais employer le terme exprès dans le sens, tous les éléments ont été protégés, les matériels, les dégradations, les personnels ont été rassurés aussi sur les dégradations qu'ils avaient dans leur propre casier, qui étaient pulvérisés et détruits pendant longtemps. Il y a pas mal d'éléments. Après, sur le point de vue plutôt communal, et en termes de voirie, je voudrais quand même rappeler que la France est sous alerte à attentat, c'est sérieux, quoi, d'alerte sécurité. Alors, on pourra toujours dire que c'est un moyen, un mal pour un bien ou autre chose, un bien pour un mal. Il n'empêche que c'est une réalité et ce qui nous oblige à faire aujourd'hui près des écoles ne me convient pas. Je n'ai pas envie de murer les écoles, pas de mettre de hauteur, je n'ai pas envie de mettre des portails électrifiés, j'ai pas envie de mettre des sas pour vérifier si les enfants ont du métal sur eux ou s'il y a des personnes qui peuvent être interdites d'y entrer. Et c'est vrai qu'on a des dégradations. Et des dégradations qui ne sont pas forcément liées au trafic de drogue. Même si l'île de Léron est un territoire très particulier au niveau de l'observation de l'ex Poitou-Charente et même au niveau du territoire de Charente-Maritime. L'inspection qui a été faite par la gendarmerie départementale nous a présenté des chiffres, je dirais, assez surprenants pour l'île de Léron à ce sujet. Oui, je comprends que quand il y a des vidéoprotections, il y a des déplacements de ces problèmes-là en particulier, je suis stupéfiant ou autre, mais je remarque qu'on a des endroits dans la commune, les Françoises me l'ont rappelé ce matin en bureau municipal, qui sont, ce qui est curieux, pour des endroits dits de tranquillité que tu venais de souligner, sont systématiquement détruits pour laisser faire les trafics. Et je peux citer le petit passage de la Seigneurie où on nous a tout fracassé. On met aujourd'hui des éclairages blindés. Alors, si c'est ça la tranquillité, c'est pas la tranquillité pour les riverains et les habitants qui ne passent plus par là pour pas être confrontés aux gènes qui sont occasionnés. Et on met pas de caméra à cet endroit d'ailleurs, c'est pas prévu. Mais on n'arrive pas à régler le problème.
Il y a d'autres actions qui sont aujourd'hui envisagées, avec les services administratifs, départementaux, auprès des collèges, auprès des enfants, auprès des parents, parce que l'on veut, mais ça ne règle pas le problème. Et puis après, il y a aussi la difficulté des lieux dits publics avec du mobilier urbain. Je viens de parler de la place Vendetta pour répondre à une de tes questions. Quand je vois les conséquences folles en termes financiers de remplacement de mobilier urbain qui sont détruits à longueur de temps, volés, saccagés, il y a des endroits, je pense qu'il va falloir mettre sous vidéo de protection pour éviter qu'on nous fracasse les candélabres, qu'on nous les vole tout simplement, qu'on nous les arrache. Parce que est-ce que la collectivité a vocation à mettre sur ses budgets des remplacements de matériel, et on le voit bien, par exemple, au carrefour du château de Bonny, destruction d'un feu par des poids lourds qui les arrachent en passant, pour ne pas dire d'autres véhicules encombrants, pas de caméra, personne n'est là, pas de traces, le feu est en panne pendant 6 mois, le temps qu'on en trouve un autre, ça coûte allez, 15 000, 20 000, 30 000 euros de réparation à chaque fois. Est-ce que tous les ans on met ça en termes d'inscription budgétaire? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne démarche. Après, il y a la gestion même de cette vidéoprotection. Et nous, on n'a pas voulu franchir le pas d'un personnel avec des caméras qui sont avec un joystick guidé vers des personnes et autres. Et on a choisi donc une autre façon de travailler qu'on vous présentera. Et je demande aux services donc, de la gendarmerie et préfectoraux de venir en début de conseil pour nous préciser le cadre. Et ça n'apportera peut-être pas des réponses rassurantes, mais ça vous apportera des réponses que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Juste pour continuer aussi un tout petit peu la discussion sur ce sujet, par rapport à la cotinière, moi j'avais tout à fait admis le fait qu'il y ait de la surveillance sur le site de travail. C'est-à-dire, moi je fais une différence très nette, qu'un commerçant, et je dirais que je parlais du port lui-même, qu'un commerçant souhaite surveiller son magasin pour vérifier en cas de problème et avoir une preuve, je le comprends très bien. Moi ce qui me pose problème, c'est les espaces publics. Alors, concernant le port en tant que site de travail, et effectivement avec de la marchandise, qui en dehors d'ailleurs d'actes délictuels, peut tout simplement par des erreurs être mal orienté, récupéré. Donc qu'il y ait effectivement des formes d'enregistrement qui permettent, dans une logique de vérification après d'enquête. D'enquête après coup. Qui permettent de retrouver les biens, ça je l'avais validé, enfin, je l'avais accepté. Ce qui me pose problème, moi, c'est la généralisation de ces dispositifs sur l'espace public lui-même. Bon, après, c'est un débat. On pourra continuer. Deux personnes aussi. Oui. On est tous les deux là. J'ai du monde. Merci d'être là ce soir. Mais... Voilà. Alors, je change le sujet. Juste sur les budgets annexes, s'agissant du camping, alors, en fait, sur le camping, comme sur le golf, comme sur le marché couvert, mais si c'est trois cas très différents, on gère des aléas, alors des aléas ou des erreurs dans certains cas, qui se révèlent problématiques à long terme. La question du marché couvert, bon, on a notre petit différent qui est un résidu de l'histoire, mais le fond de l'histoire, c'est qu'il y a eu à un moment donné un investissement disproportionné. Et qu'effectivement, il est impossible d'imaginer faire supporter le coût intégral de cet investissement aux seuls commerçants du marché. Donc, de fait, il fallait qu'à un moment donné, la collectivité assume une partie de... Bon, après, les modalités... Bon. Sur le golf, il est clair que là, on a eu deux registres qui ont fait qu'un golf qui arrivait à l'équilibre s'est trouvé à nouveau dans la difficulté à deux reprises. Et donc là encore, il faut assurément viser à ce que cet équipement soit à l'équilibre, mais il y a probablement une part liée à ces sinistres que la communauté devra supporter. Pour ce qui est du camping, là, on est quand même dans. Je pensais, avec cette obligation de surveillance 24h/24, à une maxime qui est le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on nous pose des exigences qui sont totalement déraisonnables par rapport à la nature de l'équipement
à sa fonction. Et effectivement, on n'a pas fonction à accueillir là un village de mobilhomes, et puis d'ailleurs pour le rôle de la commune. Et c'est un camping qui avait sa vocation, qui avait son créneau, entre guillemets, d'accueil à prix raisonnable, qui s'adresse à des véritables pratiquants du camping. Et on se retrouve par un jeu, un enchaînement de décisions réglementaires à rendre cette activité impossible. C'est ubuesque. Je vais te dire, c'est tellement ubuesque que je ne l'ai pas encore dit. On a reçu, donc, il y a un mois, un avis de la commission donc, préfectorale défavorable à l'ouverture du camping à l'unanimité. Non seulement on a un petit camping municipal, comme l'a dit le représentant de cette commission, qui ne posait aucun problème à tout le monde, mais en plus ils se sont fait plaisir. C'est-à-dire que nous ont rappelé nos règles et nos obligations normatives jusqu'au bout, jusqu'à remettre en cause notre ouverture pour cette année. Donc on va arrêter d'accueillir les camping-cars, comme ça tout le monde sera au courant. Et on va peut-être pouvoir ouvrir notre camping. Parce qu'on a voulu rendre service, et à vouloir rendre service, on se fait encore plus pénaliser. Il y a de quoi être agacé quand même, par les services de l'État. Donc, dernière chose, j'ai hésité à en parler ou pas, mais finalement, je le fais sur le port. Il y a eu une modification législative dont les conséquences n'avaient pas été mesurées, il faut être très clair, qui s'impose à tous. Je n'ose pas imaginer, dans l'hypothèse où vos électeurs ne m'auraient pas offert la chance de n'être que un simple conseiller municipal aujourd'hui, les propos que j'aurais entendus sur la commune qui lâche le port, qui n'a pas su le défendre, etc. Voilà, c'est juste une pensée comme ça, je me dis, j'imagine, vraiment, j'imagine la campagne de dénonciation à laquelle j'aurais dû faire face. Bon, c'est dans la fin de concession. Non, mais là, je pense que je peux comprendre ton trait de l'humour, mais on est en fin de concession. Hein. C'est, ah oui, mais... Et c'est la commune qui... Il n'y voit aucune attaque. Je suis le mot, d'accord. Mais de la même façon, on pourrait aussi me reprocher, mais... Mais il y avait des risques. Je ne le ferai pas. Il y avait des risques majeurs. Je ne verrai pas cette situation par rapport à l'intérêt communal. Je pense que tout le monde ici partage, et sans retenue, l'intérêt de la commune à défendre l'activité portuaire par rapport à son histoire et par rapport à son devenir aussi. Parce qu'il faut quand même aussi penser dans le temps. Moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était la position du département pour préserver l'intérêt de la commune dans sa gestion future, justement correspondant au cadre légal de la loi. Et là, je dois remercier, et je le dis encore ce soir, Dominique Busseron, pour nous avoir suivis depuis le début du mandat sur cette affaire, pour qu'on puisse aboutir justement à une solution technique pour préserver les agents, le côté technique, le côté financier et le côté du devenir du port dans son projet. Parce que ce qui va se faire, bien sûr, ça intéresse la sécurisation des navires, la qualité des pêches débarquées, la continuité du service sanitaire, le fonctionnement même du port et de sa dimension dans les décennies qui vont suivre. Et les générations futures qui vont pouvoir se projeter dans ce travail. Mais on aurait pu très bien envisager divers scénarios. Et je dirais même aujourd'hui, encore à ce jour, il y a qui tente le coup, en louchant sur les excédents et la productivité du port de Coutinière, parce qu'il y a une très bonne gestion rigoureuse de la part des agents de la commune qui travaillent à ce titre, des acteurs portuaires que sont les marins, qui savent se structurer dans une démarche coopérative, qui est une démarche unique en France, avec une gestion municipale qui contredit, je le dis à Charles, qui montre qu'au niveau du golf, souvent on lui a critiqué que le golf étant municipal, on n'avançait pas, qu'on ne faisait rien. Mais le port de Coutinière, c'est un golf municipal, c'est une gestion municipale, mais on y arrive. Et ça sert d'exemple à beaucoup. Et beaucoup de structures, CCI, syndicats, autres, sont en train de boucher sur notre façon de faire. Et se disent, tiens, il y a quand même des marges de manœuvre ici qu'on ne trouve pas ailleurs. Et justement, pour aller dans le sens contraire de la loi NOTRe, on ne mutualise pas, et c'est parce qu'on ne mutualise pas qu'on travaille et qu'on arrive à être pertinent sur les actions locales. Et en même temps, avoir cette vision artisanale de l'entreprise à une dimension humaine. Chose qu'on n'a pas su faire ailleurs. Et on ne pouvait avoir cette inquiétude que le département, dans le cas de la loi NOTRe, ne se batte pas pour maintenir ses compétences populaires, et ne se batte pas pour le port de la Coutinière. Bon, après, le département, je crois, 25 ou 30 gestions départementales de port, c'est pas toujours très facile. Après, il y a des gestions qui sont purement structure et syndicales, mais le port de la Coutinière sert d'exemple. Et bien, ça sert d'exemple pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, c'est un point essentiel.
Et le département a su dire toujours la commune sera à nos côtés et sera présente pour ce titre. Ça, c'est quelque chose de remarquable. On aurait pu très bien avoir un autre chant de sirène. Et on serait beaucoup plus inquiet aujourd'hui, et les acteurs portuaires aussi. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas réagi, on aurait tous été unanimes pour réagir avec eux, mais on aurait eu quelques horizons peut-être plus sinistres. Voilà. Marie-Claude, à toi. Allez, première. La parole aux femmes. Un petit peu, maintenant que les hommes ont parlé. Donc juste un petit peu pour parler de la, ce que j'appelle moi aussi une vidéosurveillance, ça ne me rassure pas toujours, parce qu'en fait j'ai eu une mauvaise expérience. Là, je participe assez souvent, vous en doutez, à des manifestations. Et sur une ville, on va dire à vie, pas très loin et tout, j'ai eu l'agréable expérience de voir que lorsqu'on était sur la place, les caméras de vidéosurveillance balayaient l'ensemble du public. Donc, je ne me suis pas sentie protégée, et je vois pas en quoi on était dangereux sur cette place. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je veux dire comme Patrick, la vidéosurveillance, il faut aussi faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi des dégâts collatéraux. Voilà. Donc aussi, alors maintenant on va parler un petit peu du débat d'orientation budgétaire, et en préambule, je voulais vous dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Je suis bien placée puisque j'ai fait toute ma carrière dans un service de gestion à l'assistance publique au Hôpital de Paris. Donc je vais revenir un petit peu sur l'exposé qui nous a été fait. Au niveau du contexte national et international et sur les choix des critères pour le définir. Pour établir notre richesse nationale, on tape sur les chiffres du PIB. En France, il est de 2 230 milliards d'euros, qui est la somme de la valeur ajoutée réalisée par les agents économiques sur notre territoire. Nous pourrions aussi bien prendre le produit national brut, qui est de 2 268 000 euros, qui correspond à la production annuelle de biens et de services des ressortissants d'un pays sur son sol et à l'étranger. Ce chiffre détermine le bien-être social d'un pays, car il intègre aussi la création de richesses par les bénévoles. Donc le seul chiffre du PIB pourrait bien donc être discuté en termes de critères exacts pour estimer la richesse d'un pays. Sur le déficit de 3%, je vais faire un petit rappel historique. Le chiffre de 3% a été trouvé par un inspecteur des finances français, qui se nomme Guy Abeille, sur un coin de table. Les Allemands proposaient 5% et nous, c'est les Français qui avons choisi 3%. Ce critère ne repose sur rien, sur aucun fondement, ce n'est qu'une exigence dogmatique de la Commission européenne. Sur la dette publique, la durée moyenne d'un titre de dette publique en France est de 7 ans et 31 jours. Donc si on rapporte le montant de la dette totale française, qui est de 2 milliards d'euros, sur sa durée moyenne de remboursement, l'endettement annuel de la France ne représente que 12% du PIB et non pas 100% du PIB. Si nous comparons avec un ménage, c'est comme si nous faisions une comparaison entre sa dette totale et ses revenus d'une année. Si un ménage français a un revenu de 30 000 euros par an, selon ce critère, nous lui interdisons tout endettement supérieur. Autant dire qu'il n'y aurait que des très fortunés pour s'acheter une maison, car aujourd'hui il faut souvent de 25 à 30 ans d'endettement pour acquérir un bien immobilier. Ce qui compte avant tout, c'est la capacité de remboursement annuel. Et ce dogme est d'ailleurs spécifique à l'Europe, puisqu'il y a des pays comme les États-Unis ou le Japon où c'est 200% du PIB, endettement. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est si nous étions si endettés, on se demande pourquoi, encore une fois, le gouvernement français fait un cadeau aux plus riches de plus de 40 milliards d'exonérations fiscales par an. Ce gouvernement s'accroche au mythe du ruissellement de la richesse, qui, en l'occurrence, si on se réfère aux derniers temps, se rapproche plus du ruissellement de nouvelles taxes, telle la taxe GEMAPI ou de nouvelles hausses de cotisations et des prix sur le dos de ce qu'on qualifie la France d'en bas. En maintenant la bride sur le cou des collectivités locales, de manière injustifiée, le gouvernement néolibéral attend, après avoir exigé d'elles la baisse de leurs dépenses courantes, celle à présent de leur masse salariale. Il table sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires au niveau national et tape au passage sur le nombre d'élus locaux, oubliant au passage que plus de la moitié des élus ne sont pas indemnisés, et que même pour un certain nombre de maires ruraux, cela s'apparente plus à un sacerdoce, vu le montant des indemnités et la responsabilité mise en face. Toute la démagogie qui accompagne cette entreprise n'a qu'un but, affaiblir les strates institutionnelles qui gênent le libéralisme, l'État, les départements et nos communes. Que restera-t-il comme solution? Confier au privé nos services publics, compter sur les bénévoles pour faire à notre place ce qui relève de nos prérogatives. Sur ce point, je voudrais vous enlever vos illusions.
sur tous les secteurs social et caritatif, tant sur le plan au niveau national que local, les associations tirent la sonnette d'alarme, car elles croulent sur les demandes et sous la charge de travail qui en résulte, d'autant que pour la plupart, localement, elles ne bénéficient de l'appui d'aucun salarié. Nous peinons, et là je dis nous parce que je fais partie de ce genre d'association, nous peinons à recruter dans les associations reconnues pourtant d'utilité publique. Non seulement nous n'attirons plus, mais nous perdons des membres atteints par l'âge et la lassitude. Qu'adviendra-t-il à l'heure de la prochaine crise financière? Qui arrivera? Car elle arrivera. La seule incertitude, c'est quand. Notre modèle social attaqué de toutes parts, qui avait amorti la dernière crise de 2008, est moribond. La commune sera sur le front, ainsi que le département sur la lutte contre la pauvreté. Paradoxalement, il y a de fortes chances que nous trouvions par miracle de l'argent pour renflouer les banques. Sans rien exiger d'elles en contrepartie, il y a fort à parier qu'on nous demandera à nouveau des sacrifices. Que restera-t-il de la belle promesse du gouvernement sur la réforme de la taxe d'habitation? L'État compensera à l'euro près. Il est temps que nos communes réagissent face à cette politique. Je refuse aujourd'hui de me mettre dans la peau d'un gestionnaire et celle d'une bonne élève du système néolibéral. Nous avons besoin de dotations suffisantes pour remplir convenablement nos missions de service public. Chaque fonctionnaire qui part à la retraite doit être remplacé. Nos dotations doivent nous suffire pour assumer l'ensemble de nos compétences. Il ne s'agit pas d'argent gaspillé, mais bien investi au contraire. Et là, je vais revenir sur ce que Patrick a déjà dit. Nous avons aussi une mission sociale que nous avons toujours remplie localement en employant des veuves parfois, des personnes handicapées ou des accidentés de la vie. Qui le fera demain? Avons-nous envie de condamner ces gens aux minima sociaux? J'attends la présentation du budget communal 2018 et sa ventilation sur les différents postes pour estimer, pour ma part, s'il nous permet de remplir correctement nos missions. Mais un certain nombre d'orientations présentées ce soir ne me conviennent pas. Je vous remercie de votre attention. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, il faut que l'on vote. Alors je rappelle le texte de l'article 23.12.1 du Code des collectivités territoriales, pour être précis. Nous demandons donc de voter pour acter la présentation du DOB qui a été faite ce soir. Et pas autre chose. On ne vote pas le DOB dans son fond. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Voilà. Demandez-vous. Merci. Est-ce qu'on a des exemples de communes où il y a des votes contre? Parce que ce vote est tellement surréaliste, ça m'intéresse. Je t'avoue que j'avais tenté quand même de dire qu'on allait voter contre la première fois, mais j'ai pensé qu'on risquait d'avoir un retour de flamme et pas de budget. La délibération 2 concerne les finances, et là je vais donner la parole à Jean-Yves qui va s'empresser, qui attendait impatiemment de pouvoir en reparler. Donc la délibération qui concerne le financement pour les travaux d'entretien des établissements touristiques en forêt domaniale. Sur les travaux réalisés par l'ONF, qui facture à la commune ces travaux-là, le montant, vous en avez le détail, correspond à 39 621 euros, ça varie d'année en année. On n'a pas bien le choix que d'accepter ces montants-là. La commune prend part à hauteur de 23 772 euros et le conseil départemental à hauteur de 15 848 euros. Pour mémoire, l'année précédente, je crois qu'on avait une facture de 29 000 euros. Il y a eu des années à 50 et quelques mille euros, dépend des travaux réalisés, des investissements réalisés. Donc on n'a pas bien le choix, c'est une délibération classique. Vous avez demandé donc de valider le temps de financement qui vous est proposé. Le montant a été très élevé cette année et on s'est interrogé sur la propreté. Pour 13 000 euros. On se rappelait qu'on était plutôt plus proche en général, plutôt des 20 000 euros, et souvent en dessous. Sur le montant total. L'année précédente, 29 000 euros. Il y a une année où on était à 50 et quelques 000 euros. On pourra en avoir donné le détail. Est-ce que c'est dans les répartitions, c'est un peu différent? Par rapport à l'an dernier, on a les espaces de débroussaillage des aires d'accueil, donc la Monnière, puis le Tassel, hein, donc il y aura un passage supplémentaire, ça fait 1900 euros. On aura la fourniture et la pose de bornes anti-pénétration sur le parking des Placennes, ces petits morceaux de bois là qui ont été détruits. Et puis il y a la pose, le remplacement de trois tables sur la plage de Matin.
Donc là, il y en a pour 7 050 euros. Et puis, on constate aussi que la pose des caillebotis, le retrait, la pose, ça nous est facturé. Et que là, il y a 1,10 € du mètre lumière en plus. Hein. Il y a aussi un petit plus. Et puis, l'entretien, c'est pareil, 560 euros en plus. Voilà. Et puis, il y a le remplacement de 2 portes de sanitaire au passage. Hein. Voilà, tout ça, ça fait environ 10 000 euros. C'est vrai que ce qui nous est facturé, c'est quand même beaucoup. C'est assez cher, hein, l'OLF, quand on intervient. Mais bon, c'est un entretien nécessaire. Là, c'est pour les tables. Là, les tables à Mata, elles étaient vraiment en très mauvais état. Donc, il faut à un moment donné aussi remplacer le matériel. Et puis, il y a le nettoyage des toilettes, hein, des placelles, et puis donc de l'air de loisirs de la nonnière, puisque c'est un nouvel équipement qui a été installé. Donc ça, ils le font pendant la saison estivale. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? L'abstention, comment du pour ? Donc le golf municipal, modification des tarifs. Alors j'ai deux facettes là, pour la modification des tarifs. Il y a une première facette qui s'agit des cartes de golfi, puisque le partenaire golfi a modifié les tarifs des cartes donc, en contexte 2018. Donc on modifie en conséquence le nouveau tarif. Vous avez la liste des différentes cartes et puis des différents montants. L'année dernière, pour exemple, on avait la première carte là, on était à 110 euros. La haute saison, on sera à 100 000 euros. Donc, on a un montant particulier. Et une deuxième facette concernant les tarifications de la location du casier. On a modifié les locations de casier. Les casiers n'étaient pas suffisamment loués, donc on a préféré finalement avoir des tarifs plus abordables. Donc, les casiers, vous avez le détail aussi, les petits casiers seront en TPC 60 euros, ils étaient auparavant à 80 euros. Le moyen casier sera à 75 euros, il était à 100 euros, et le grand casier sera à 90 euros, s'il était à 120 euros. On espère comme donc louer la totalité de mon casier, puisqu'il y a des casiers encore de libre. Donc, j'ai demandé de voter les tarifs ci-dessous. Pour ce qui concerne Golfi, on subit un peu les évolutions. Et pour ce qui concerne les casiers, vous avez le détail. On propose également une gratuité de 3 mois pour les locations de casiers pour les sinistrés de l'incendie du Clubhouse du 9 mars 2011. C'est pas d'aujourd'hui, mais enfin bon. Et qui n'en auraient pas bénéficié. Donc, ils ont la possibilité d'en avoir. Ils auront une gratuité de 3 mois. Donc voilà, je pourrais voter et proposer ces éléments-là. Une phase de remarque particulière, ça permet de rectifier certaines choses et en même temps de répondre à la demande qui a été faite par les golfeurs dans la réunion que nous avons eue dans le cadre de la radio et de faire un geste pour répondre à cet usage des casiers. Donc est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions, tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, le golf municipal pour l'accès au parcours de ce fluo compact, rectificatif. Oui, c'est un rectificatif qui faisait suite à une délibération précédente qui avait été adoptée en octobre 2013 qui concernait l'organisation de la gratuité sur le golf. On s'est aperçu des professionnels du golf qui, c'est pas très très grave, mais qui utilisaient le golf gratuitement. Il fallait préciser ça donc dans les grisés. On a précisé que les personnels de golf et de la Fédération française de golf, sur présentation de la licence de l'année en cours, pourraient bénéficier une fois par mois d'une gratuité donc, et puis une remise de 30% sur le tarif de Griffy. Tout le reste ne change pas, hein, on garde la délibération qui avait été adoptée en 2013, et puis on rajoute que les personnes ne remplissant pas strictement ces conditions devront donc s'acquitter du paiement du Griffy. Donc, on vous demande d'accorder des accès gratuits aux personnes dont on parle là. On vous demande d'allouer à l'association, ça c'est classique, c'est fait tous les ans, d'allouer à l'association sportive du golf chaque année 60 guinées gratuits pour les sponsors des compétitions, à compter de l'année 2018. Voilà. Des observations.
d'observation ? Pas d'observation, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions, tout le monde est pour. Modélisation physique de l'extension du port, prise en charge des frais des élus. Il s'agit d'aller visiter à Grenoble le centre d'études Artelia, qui a la possibilité de fabriquer sur le port, par rapport au port de la Cotinière, une maquette. Mais ce n'est pas qu'une maquette, puisqu'ils font des essais avec des modèles physiques, hydrauliques et hydrosédimentaires qui permettent de valider les dimensions de l'ouvrage du port. Donc, monsieur le maire se propose d'emmener Eric Gilbert, qui est adjoint au port, et les deux patrons pêcheurs, conseillers municipaux, Lionel Andrez et Franck Métaux, qui seront accompagnés de madame Rabel, monsieur Parent, conseillers départementaux. Donc, ils partent le 8 mars 2018 à Grenoble, à la montagne, donc. Ils nous demandent d'accepter la prise en charge des frais de dépassement de l'instauration. Monsieur le maire, Eric Gilbert. Messieurs Andrés et Neto. Je regrette de ne pas avoir amené Jean-Yves Vigné avec moi parce qu'il le présente très très bien. Et pour une fois, on prend une délibération avant d'y aller. Parce que des fois, on prend une délibération avec lui. Et je n'irai pas faire du ski puisque j'entendais jusqu'ici. Non, je tiens les genoux. Voilà, donc c'est une maquette intéressante puisque ça va permettre de simuler des scénarios les plus catastrophiques possibles et de voir les effets que l'on peut avoir sur les ondulations, sur la houle, sur les montées des eaux et la gestion même des résonances que l'on peut avoir sur les différents bassins, sur le bassin qui va être en construction avec la digue et sur l'orientation particulière de cette digue. Donc nous y allons, on fait les retours dans la journée, je crois qu'on part de 5h du matin et on revient ce soir à 22h. Et, vous évoquez une requête à vous faire, mais en offre. Tu seras à Grenoble ? Oui, je serai en Chartreuse à côté avec mes étudiants. Mais bon, je ne veux pas accepter les étudiants. Non, je ne veux pas demander les étudiants. Et si tu veux faire un saut, Merci, plaisir. Sur cette délibération nous permettant de couvrir nos frais pour ce déplacement, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions sur le pauvre ? On vous remercie. On en arrive donc à la délibération concernant l'utilisation et l'affectation d'un véhicule de fonction directeur donc pour le port de la Cotinière à partir du 1er mars 2018. Bon, c'est une délibération que nous avions déjà prise l'année dernière, le 24 janvier 2017, pour M. Lavardois. C'est une délibération qui rappelle les principes fondamentaux des véhicules de fonction. Par principe, ce véhicule est mis à disposition, est utilisé dans le cadre du service des agents concernés pour la bonne exécution de leur mission et compte tenu de leur disponibilité attendue, en dehors des heures ordinaires de service. Je pense que pour le directeur du port, on ne peut pas envisager autrement. L'autorité territoriale peut autoriser ses agents à avoir une utilisation privée de ce véhicule en dehors de ses heures de service pendant les repos de l'hiver congé. L'organe délibérant donc est compétent pour fixer les règles relatives à l'attribution de ce véhicule de fonction. Et cette mise à disposition doit demeurer très exceptionnelle et concerne uniquement les agents justifiant des contraintes très particulières. L'autorisation donc de mise à disposition délivrée par le chef de service en dépend l'agent, en l'occurrence le maire. Elle fait en outre l'objet d'une assurance complémentaire que l'agent doit souscrire pour l'usage privé de ce véhicule, assurance couvrant notamment le transport de pièces. Dans ce contexte, il est proposé d'attribuer à partir du 1er mars 2018 à l'agent Nicolas Dubois, directeur du port de la Cotinière, un véhicule de fonction espace Renault identifié avec une plaque d'immatriculation EL028ZS. On est plus dans un domaine de régularisation et de confortement de la situation actuelle de ce véhicule de fonction qu'il dispose. Et si vous rappelez ce qu'on vient de dire dans le cadre du DOB, dans la fin de concession, c'est aussi pour préserver, bien sûr, pour la part du directeur du port, tout éventuel remise en cause de son statut, ou pas de son statut, mais de l'avantage qu'il a par rapport à son poste. Donc, il vous est proposé donc, de délibérer pour appliquer ce régime dérogatoire à cet agent et de dire que l'utilisation de ce véhicule pourra se faire des fins privées sans limite de périmètre de circulation, mais dans une limite de 30 000 km par an. C'est ce que nous avions établi pour la délibération donc, du mois de janvier précédent. De dire que tous les frais donc, seront bien sûr payés par l'activité du budget portuaire. Et que l'intérêt du service nécessite l'usage de véhicules de puissance donc supérieure à 7 chevaux fiscaux.
et que la mise à disposition permanente et exclusive de ce véhicule à titre privatif représente un avantage en nature dans le cadre du régime dérogatoire. Donc il est nécessaire pour le bénéficiaire de souscrire un contrat d'assurance, je viens de vous dire. Je vous demanderai donc de délibérer en ce sens. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Nicolas vous remercie. Ensuite, cette fois-ci c'est différent, c'est l'utilisation des véhicules de service et des conditions de remisage à domicile. Donc ça, c'est une délibération obligatoire et annuelle que l'on doit prendre. Vous avez pu lire donc, le projet de règlement des modalités d'attribution de ces véhicules de service avec remisage. Il est défini que ces véhicules sont destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles, déplacements privés, week-ends et vacances. Toutefois, pour des raisons de facilité et d'organisation, et dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent être autorisés à remiser leurs véhicules de service à leur domicile. Donc vous avez les modalités d'autorisation que je ne vais pas vous lire puisque c'est une longue page, mais vous avez les conditions de remisage, les responsabilités en termes de dommages, et aussi en termes de matière de contravention, ce qui peut comprendre, les interdictions à usage privatif et les conditions particulières en termes de congé et de gestion de ces véhicules. Vous avez fixé à la délibération les personnes concernées, que sont Michael Lamas, David Pierre, Miguel Folk, Sandra Vivia et Bruno Discontini, leurs fonctions, et c'est facile à comprendre, le directeur des services techniques, responsable du centre technique, le chef de service de la police municipale, le gardien brigadier et le directeur adjoint du port. Et vous avez les véhicules, donc vous remarquerez que ce sont que des Renault d'ailleurs, j'ai lu ça en préparant la délibération. Nous n'avons pas d'autres marques de véhicules. Et les immatriculations, dont je vous passerai la lecture, qui identifient les véhicules correspondants, mais c'est dans le cas de la délibération. Je voulais vous demander de délibérer pour accepter le règlement en fixant ces usages et puis fixer cette liste exhaustive des fonctions, missions ou endroits facilités dans l'usage à domicile. Je pense que ça ne nécessite pas d'observation, donc c'est nécessaire pour le service. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. La délibération qui suit une délibération que nous avons déjà eu le loisir d'étudier au dernier conseil municipal. Ça concerne donc le paiement à un agent retraité des congés non pris du fait de sa maladie. Cet agent était longtemps affecté au port. Mais pour des raisons de sécurité de sa personne, on l'a affecté après au service des espaces verts. Il était placé en congé maladie ordinaire durant la période du 8 septembre 2016, 7 septembre 2017 inclus, puis maintenu en demi-traitement durant la période du 8 septembre 2017 au 31 janvier 2018. Il bénéficie d'une retraite pour invalidité depuis le 1er février 2018. Alors la fameuse directive européenne du 4 novembre 2003 dit qu'une administration ne peut refuser l'indemnisation des jours de congé annuels qu'un fonctionnaire n'a pas pu prendre du fait de son placement en congé maladie, contrairement à sa mise à la retraite. Et là, le concernant, c'est au titre de l'année 2016, c'est 8,5 jours de congé, et non pas 8,5 grammes, en ce qui concerne le montant brut de 432,04 €. Et au titre de l'année 2017, c'est 20 jours de congé pour un montant brut de 1049,15 €, le total faisant 1481,19 € que je vous soumets à accepter en termes d'indemnisation, et ce sera soumis à cotisation. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération concerne donc maintenant la création de deux postes de droit privé pour le budget donc, de la région autonome du Golfe de l'Hérault. La commune est propriétaire du Golfe et dont l'exploitation relève d'un service public industriel et commercial. Et au vu des modalités de l'exploitation de ce Golfe de l'Hérault, considérant l'application donc, du Code du travail, un CDD peut être conclu pour des emplois de caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année, selon une période décidée à peu près fixe ou dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Donc, considérant la nécessité de recruter deux agents par contrat de redéterminé de droit privé à temps complet en qualité de jardinier à compter du 12 mars 2018 pour une année renouvelable, je vous ai demandé de délibérer pour autoriser à les recruter, à appliquer les dispositions de la convention collective nationale des golfs et de décider de ses modalités de rémunération. Bon, et de toutes les conditions contractuelles qui sont liées, les liens d'emploi qui seront fixées par la convention collective précitée. Je ne vous cache pas que là, on a aujourd'hui des candidats qui sont aujourd'hui dans le
budget général qui sont candidats pour aller sur le golf, mais qui sont aujourd'hui en situation de contrat à durée déterminée. Il n'est pas dans nos intentions de faire du CDI ou de faire de la stagiarisation pour titularisation, puisque tout à l'heure nous l'avons parlé dans le cadre du DOB, le budget de la région de New York ne permettrait pas d'augmenter la masse salariale et nous avons tenté de mettre en place, j'en ai parlé déjà précédemment dans différents conseils municipaux, nous avons tenté de mettre en place une gestion différente du terrain avec l'intervention d'un conseil de formateurs, d'un greenkeeper qui vient sur le terrain de façon régulière pour accompagner les agents et fixer le plan charge de travail. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la vacance de certains agents pour des raisons personnelles ne permet pas de pouvoir avoir une continuité en ce sens. Et il faut à tout prix qu'on ait l'assurance d'avoir au minimum sur le site deux, enfin, trois agents jardiniers pour pouvoir travailler sur le terrain, ce qu'on n'arrive pas à faire à ce jour. Donc on essaie de trouver des solutions. En même temps, on a besoin d'un contrat saisonnier en tant que starter pour la gestion des départs du golf, donc ça rentrerait là-dedans aussi. C'est une question donc, logique, si ce n'est qu'on va essayer dans le budget d'Arago de vous démontrer au prochain conseil municipal que l'on va essayer de diminuer la masse salariale là aussi pour créer par effet de ciseaux ouverts, on va dire, des possibilités d'exercice à l'équilibre, voire un peu excédentaire, sinon on n'y arrivera jamais. Pour bien comprendre, parce que je veux poser la question au vu de la délibération, les équipes actuellement en poste au golf sont toujours en place ou il y a eu des réaffectations Il y a eu des changements déjà. Okay. Il y a eu des changements et en fait, vous comprenez bien que ces deux postes-là, il y aura en fait des déplacements de personnes, donc des retours vers les services techniques avec des responsabilités différentes. En fait, on crée deux postes, mais on ne multiplie pas, on n'augmente pas donc les agents de sursis. Mais sur le budget d'Arago, je suis obligé d'identifier ces deux postes-là. Sinon, je ne peux pas l'entendre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? On va passer à l'autre, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention, tout le monde est pour. Je vous remercie. On en arrive donc à la création d'un parc pour VTT et BMX, donc, de motoriser au dépôt une autorisation d'urbanisme, que sont le permis de construire pour le plateau, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre du IMB, ou pour le permis d'aménager pour la piste VTT, pump track et pratique donc des vélos. Au prochain conseil municipal, qui sera long aussi, je le concède, je demanderai à Dominique Bosmanier de me présenter le projet complet défini donc par l'architecte et validé par le comité de pilotage et l'association du Pédale Club. Et vous aurez donc toute liberté pour découvrir l'ensemble des projets et on donnera en même temps le plan charge du calendrier qui va être fait, puisqu'en parallèle du dépôt de permis de construire et du permis d'aménager, on va lancer les consultations d'entreprise pour nous perdre le moins de temps possible et répondre aux besoins, autant pour le permis de construire. On a quand même un délai incompressible et on peut envisager quelques petites actions avant la fin d'année. Autant pour le VTT, je pense qu'on peut aller très très vite, puisque aujourd'hui tout est calé. L'Adréal est déjà venu sur site, on a déjà répondu à ses attentes. Et on peut envisager donc au moins pour le VTT une mise en place pour cette année. Et puis pour le BMX, on va dire, tenant compte des aléas de l'hiver, des aléas climatiques en particulier, une ouverture donc, du site BMX complet avec le Clubhouse pour le début de l'année 2019. Donc c'est pour motoriser, donc à déposer les demandes d'autorisation auprès du service de l'urbanisme de la commune de Saint-Pierre, au nom de la commune, pour la création d'un parc pour les VTT pour les sur le terrain d'anciens motocross et d'un parc pour les BMX avec le Clubhouse au sein de Lumière. Il y a des observations, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? L'abstention, tout le monde est contre. Concernant l'urbanisme et la modification numéro 3 du PLU, je vais laisser la parole à Marc, qui va nous expliquer les trois propositions. Bien. Donc, la délibération U2 porte sur la modification numéro 3 du PLU et qui concerne la justification de l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones. Donc il vous est rappelé que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 1er décembre 2011.
Il a par la suite été modifié trois fois, les 22 octobre 2012, 21 octobre 2013 et 10 mai 2016, mis à jour le 24 mai 2017. Donc une nouvelle modification est envisagée pour modifier à nouveau le plan local d'urbanisme, motivé notamment par les points suivants. Donc créer un zonage et un règlement adapté pour les casernes de pompiers et gendarmerie, vous savez qu'actuellement, il y a deux projets qui sont en cours. Et vous imaginez bien que le zonage ne correspond pas aux projets qui vont être portés sur ces sites. Donc nous avons décidé de faire un nouveau zonage, de créer un nouveau zonage que l'on va appeler UEM, Urbain Équipement Militaire. Et là-dedans, on reste assez vague puisqu'on sait que ce sont des projets qui évoluent, notamment celui de la gendarmerie, où pratiquement tous les deux mois, il y a des nouvelles normes à respecter. Voilà. Ensuite, de modifier le règlement de la zone NHP afin de permettre 30 mètres carrés d'extension au lieu de 20 mètres carrés, comme cela sera autorisé dans le plan de prévention des risques. Vous savez que le plan de prévention des risques, donc, qui est en phase d'être approuvé, nous avions un PLU qui permettait 20 mètres carrés, alors le PPRL en prévoit 30, et donc c'est pour se mettre en concordance avec... le nouveau PPRL. Ça va concerner notamment le secteur du chenal de la Pérotine. Voilà pour la petite précision. Ensuite, modifier les ratios de la typologie des logements dans les orientations d'aménagement, notamment pour le terrain de l'ancien champion. Vous savez qu'il y a un projet qui est pour l'instant qui est à l'instruction, on va dire, hein, pour l'instant, et qui consisterait soit à supprimer les ratios, soit à changer la formulation telle qu'elle est aujourd'hui, afin qu'il ne s'agisse que d'un objectif. Donc ça concerne la typologie des logements. Et enfin, tenir compte d'un jugement de la Cour administrative d'appel de Bordeaux relatif au secteur de la Fauche-Prère, donc suite au contentieux exercé contre le PLU et porté en justice concernant les parcelles situées au sud du secteur de la Fauche-Prère. Plusieurs parcelles précédemment zonées, alors je dirais NT2 parce que c'est le zonage aujourd'hui, mais à l'époque c'était NAE4, avaient été déclassées en NR. Et la Cour a condamné la commune pour avoir à tort classé ces parcelles en zone NR. Et donc il s'agit de rétablir, je demande au tribunal, un zonage conforme à la décision de justice et l'ensemble du secteur. Sachant que c'est très compliqué, la Fauche-Prère. On aurait pu penser qu'il aurait été judicieux de mettre en naturel, mais je pense que personne ne va s'y attaquer compte tenu du volume de parcelles sur ce secteur. Alors sur les points que je viens évoquer, c'était juste un préambule. On n'a pas à délibérer là-dessus, puisqu'on délibérera prochainement sur ces points-là et d'autres, hein, ça c'est les principaux. Lorsqu'on présentera la délibération pour la modification dans son ensemble. Mais par contre, pour la poursuite de la procédure, et c'est le point suivant, donc il s'agit d'ouvrir l'urbanisation des secteurs en zone d'urbanisation future, en l'espèce sur les secteurs des Pibles, de la Menouinière et la Crèche de Saint-Pierre. Donc l'article L153-38 du Code de l'urbanisme dispose que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une de ces zones, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. Compte tenu des incertitudes liées à l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux, que nous avions tout à l'heure, et de ses contraintes, les zones déjà ouvertes n'ont pas été bâties. Dès lors, il convient de continuer cette urbanisation progressive des dents creuses des villages afin de remplir notre objectif de maintien des effectifs scolaires inscrits dans le projet d'aménagement et de développement durable. Donc, vous vous souvenez que lors de la modification approuvée en... la précédente modification, et la dernière, en 2016, il avait été décidé de planifier l'ouverture à l'urbanisation des zones identifiées A à U dans le PLU, non ouverte à l'urbanisation, pour être conforme aux évolutions législatives, étant entendu qu'à défaut de planification,
toutes ces zones deviendraient des zones naturelles de facto en 2020. Nous respectons donc la planification établie lors de cette procédure de modification. Nous avons établi un calendrier. Ainsi, suite au travail de la commission PLU, il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation plusieurs zones. Un ALU du PLU, il s'agit de la zone de la crèche et de Monsieur Bricolage, où l'un des quatre piliers, ce secteur en continuité de celui du Vélodrome, fait l'objet de développement, notamment une extension de la crèche et une restructuration, voire une démolition du bâtiment commercial. Donc il s'agit de M. Bricolage. L'ouverture permettra d'avoir une réflexion d'ensemble sur tout le quartier. Ensuite, nous avons la zone de Mocpanier à la Biroire. Ce secteur dans le village de la Voirie peut être une opportunité pour développer la population du village et ainsi favoriser l'implantation d'habitations à l'année. Ensuite, nous avons la zone des Pibles. Ce secteur comprend une propriété communale. Donc c'est la fameuse colonie des mais c'est dans la zone des Pibles. Non, je cherchais à prononcer. Vous savez donc une propriété communale, l'ouverture à l'urbanisation permettra de valoriser notre réserve foncière tout en réalisant un projet cohérent d'aménagement avec des accès sécurisés prévus dans le cadre des orientations d'aménagement. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer pour décider d'ouvrir à l'urbanisation l'ensemble de ces zones citées ci-dessus. Donc je rappelle, on fait l'objet d'un calendrier que nous avions approuvé en 2016. Bien. Est-ce que ça nécessite une observation ? Pas d'observation. On va donc le soumettre à votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions pour le tour. Je vous remercie. On a là donc terminé avec le conseil municipal. Je vous remercie de cette aimable attention. On était un peu long aujourd'hui, mais on ne pouvait pas faire moins. Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 mars à 18h. Et je vous invite à venir de bonne heure puisqu'on aura la présentation donc, du projet complet du Denis Salter exécuté donc par Denis, parce que là c'est pour ça qu'on commence en à 18h. Merci à vous, merci pour votre écoute et donc à très bientôt et je vous vois grand bouteille.